C'est lui qui ne rentrera pas sans la face à lui. Sans la biche. Sans la biche. Biche pour Jésus. Alléluia. Regardez la salle qui touche Jésus. Sans la face. Regardez la salle qui touche Jésus. Sans la face. Oh,
Nous allons prendre une position pour adorer le Seigneur debout
pour quelqu'un d'autre, d'autre, tu peux commencer à prier. Après un moment, quand tu vas sentir la présence du Saint-Esprit, tu peux te mettre à genoux. Alléluia. Exprimez vos esclaves. Mais sentez-vous libre, alléluia. Sentez-vous libre. Ne vous sentez pas opprimé, alléluia. Votre Dieu, alléluia, vous appelez à la liberté, alléluia. Mais justement, ne faites pas de cette liberté, moi, des vivre selon le plan des vies de ce monde. Alléluia. Dieu ne vous a pas appelé à être crispé, à être amer. Maintenant, sa présence, vous êtes malade, vous êtes comme si c'était vraiment comme si tu au deuil. Alléluia. Non, venez dans sa présence, sur le lieu de joie, sur le lieu de paix, sur le lieu d'amour. Alléluia. Qui d'autre pourra vous aimer? Alléluia. Dans le psaume, dans le livre d'Esaïe 49, verset 15, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, oh, bien aimé dans le Seigneur, il dit ceci. Même si mère venait abandonner ses enfants, alléluia. Moi, l'éternel des armées, alléluia. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais, alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons adorer le Seigneur. Bien aimé, tu te sens inspiré par un chant d'adoration, alléluia. Bien aimé, il ne faut pas te limiter. Il ne faut pas te limiter. Tu sens inspiré par un chant d'adoration. Tu vas envoyer, alléluia. Nous allons adorer le chant du Seigneur tous ensemble. Jésus est le Dieu. Jésus est le Dieu.
présence est là. Sa présence est là. Sa présence est là. Sa présence est là. Sa présence est là. C'est nous sommes sensibles à sa présence. On est présenté. Car un nouveau adorateur. Maintenant mes yeux ont vu, les vœux de tes mains. Joie ma chia, mes vœux avaient entendu parler de toi. Oh,
C'est moi qui marque de mon sang mes élus.
un homme. C'est moi et seul, moi seul, qui marque de mon sceau. Mais c'est lui. Si tu n'es chaud ni froid, je te vomirai. Je te vomirai. Peuple de Dieu, enfant du Père, soyez toujours joyeux. Bannissez le doute, bannissez la peur. Car si l'Éternel désormais est avec vous, qui sera contre vous? Personne. Qui sera contre vous? Personne, Seigneur. L'ennemi ne peut rien. Il ne peut rien. Car quand je passe, la terre tremble. Je fais de la terre mon marchepied. Je fais de la terre mon marchepied. Si je suis avec vous, qui sera contre vous? Bannissez le doute. Bannissez la peur. Bannissez la peur et le doute. N'ayez pas honte de moi. Je dis non. N'ayez pas honte de moi. Ne méprisez même pas les petits commencements. Amen. Ne méprisez pas les petits commencements. Car à celui que j'ai beaucoup donné, j'en demanderai beaucoup. J'en demanderai beaucoup. Car de grandes choses attendent mon peuple fidèle. De grandes choses, oui, je ferai dans cette nation, dans ce pays. Je ferai de grandes choses. De grandes choses, si vous êtes fidèles. Soyez fidèles. Car oui, ce qui se sont passés, ce qui s'est passé, se fera encore. Encore plus. Encore plus. Car je suis avec vous. Car je suis la porte. Je suis le chemin et la vérité. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Oui, mon enfant, regarde où je t'ai tiré. Regarde de la boue où je t'ai pris. Regarde de la boue où je t'ai pris. Car je t'emmène où tu ne connais. Où tu ne connais. Sois fidèle. Oui, à mes serviteurs, c'est moi qui vous a établi. Je le redis, c'est moi qui vous a établi. C'est moi qui vous a établi. Quel qu'en soit ce que l'on pense. Si moi je dis oui, c'est oui. Si je dis non, c'est non. Si je dis non, c'est non. Si l'Éternel nous maudit, qui peut maudire? Personne. Qui peut maudire? N'écoutez plus le monde. N'écoutez plus le monde. N'écoute plus le monde. N'écoute plus le monde. Regarde à moi. Regarde à moi. Car oui, j'ai mis par écrit. J'ai mis par écrit. Car je suis dans ma parole. Je suis dans ma parole. À celui qui me cherche, je suis dans ma parole. Veillez et priez. Veillez et priez. Ils viendront. Ils sont déjà proches. Ils viendront pour vous tenter. Mais vous, soyez fidèles. Ne regardez pas le monde, car ce monde est fini. Ce monde est fini. Ce monde est fini. Regardez en moi. Mon serviteur David. C'est de moi que vous parlez. Car ce n'est plus vous qui vivez.
arriver, mais c'est moi qui vis en vous. C'est moi qui vis en vous. Soyez saints comme je suis saint. Soyez saints comme je suis saint. Car rien n'est pur ni de souillé n'entre dans mon royaume. Rien n'est pur ni de souillé n'entre dans mon royaume. Car les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Proclamez ma parole. Proclamez ma parole. Proclamez ma parole. Je suis avec vous. Je marche devant vous. Proclamez ma parole. Craignez mon nom. Craignez mon nom. Craignez mon nom. Car je suis l'Éternel des armées. Je suis le roi de gloire. Je suis ton créateur. Je suis ton créateur. Je fais toutes choses en mon temps. Je fais toutes choses en mon temps. Car j'ai dit dans ma parole. J'ai dit dans ma parole, oui. J'ai dit dans ma parole, le temps vient, le temps vient, le temps est déjà accompli, où mes vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Amen. J'ai dit dans ma parole, dans les derniers jours, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Si tu es disposé, si tu es disposé, je ferai de grandes choses. Je ferai de grandes choses. Je ferai de grandes choses. Celui qui est pur, c'est pur ici encore. Que celui qui est pur, c'est pur ici encore. Car rien n'est pur ni de souillé n'entre dans mon royaume. Je le redis encore. Craignez mon nom. Ne confondez pas. J'ai dit non. J'ai dit non. Je le redis encore. Je le redis encore. Ne confondez pas le dépouillement avec la sanctification. J'ai dit non. Ne confondez pas. Car oui, oui, vous en connaissez des païens qui se dépouillent, mais dont le cœur n'est pas sain. Car moi, Éternel des armées, je regarde le corps, l'âme et l'esprit. Je regarde le corps, l'âme et l'esprit. Je regarde le corps, l'âme et l'esprit. Merci, merci parce qu'il t'a parlé, bien-aimé dans le Seigneur. Il t'a dit bannir le doute. C'est vraiment beaucoup maintenant conscient le doute. Est-ce que je vais dans la vérité? Mais le Seigneur te dit bannir le doute. C'est lui qui t'a sorti de la boue. Pour se voir la grâce qui vient de haut. Il a dit si quelqu'un demande son esprit, il donne l'abondance. Il donne l'abondance. Quelqu'un demande son esprit, son abondance, ne soyez pas discret. C'est le temps où le Seigneur va remplir quelqu'un qui te suit. C'est le temps où le Seigneur va agir maintenant dans la salle pour toucher les mains de quelqu'un, 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 pour toucher la tête de quelqu'un, pour toucher le corps de quelqu'un. La loi de l'Éternel est là. Le roi des armées qui est venu le Seigneur. Ne soyez pas discret, ne doute pas, ne sois pas mené par tes soucis, par tes peurs. Pas de crainte, car l'Éternel est vrai. Sois glorifié, ô roi des rois.
regarde, c'est la voix de l'Éternel. Le Seigneur veut travailler. Il veut travailler. Il veut travailler. Il a dit celui qui demande, il donne son esprit. Il donne son esprit à qui veut. Il donne son esprit à l'abondance. Il ne limite pas son esprit. Bien aimé, c'est le temps de demander l'esprit du Seigneur dans ton cœur. Au fond de ton cœur, il te donne. Il te donne. Reçois son esprit. 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 Reçois, 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 reçois. Reçois son esprit. Reçois son esprit. Il y a des gens qui vont encore du ciel. Il y a des gens qui doutent encore. Il y a des gens qui ont peur. Il y a des gens qui ont peur. Bien aimé dans le Seigneur, quand l'Éternel parle, et dit, ça s'accomplit. Ça s'accomplit. Ça s'accomplit. En ce moment, il y a quelqu'un qui reçoit son esprit. 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 Et son esprit apporte. 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 Reçois. Reçois. Recevoir la puissance et la présence de Jésus. Arrête d'être distrait, reçois. Je donne mon esprit. Celui qui est disposé, reçois. À celui qui est disposé, je donne mon esprit. Reçois. À celui qui est disposé. Reçois. Car il est écrit, si vous âmes, le ciel est méchant, ne pouvez donner un caillou tu à vos enfants. Tu reçois. Donc si vous demandez du pain, rendez-le moi, moi, l'Éternel des armées. Ne vous donnerai-je pas le Saint-Esprit lorsque vous me le demanderez de tout votre cœur. Reçois. Reçois le Saint-Esprit. Maintenant, reçois. L'Éternel conduit ta tête. Reçois. Et t'accoutez pas. Et t'accoutez pas. Reçois dans le Jésus. Et t'accoutez pas. Reçois dans le Jésus. Et t'accoutez pas. Reçois dans le Jésus. Et t'accoutez pas. 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 Je ne sais pas si tu es bagarre. 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 Je ne sais pas si tu es bagarre.
Jusqu'à la planète de ses pieds. Reçois le nom de Dieu. Tu reçois. Il ouvre ton cœur et tu le reçois maintenant. Il donne l'esprit sans mesure. Dispose ton cœur. Ouvre ton cœur. Reçois,
de l'esprit, des gens de Saint-Esprit, des gens de guérison, de prophétie. Reçois-les, reçois-les maintenant. Au nom de Jésus-Christ, reçois-les maintenant. C'est du lourd, c'est du lourd, c'est du lourd. Je les reçois maintenant. C'est du lourd, mon esprit. Je les reçois. Je lance sur toi. Je les reçois maintenant. Une option nouvelle, une sanction nouvelle, une option nouvelle. Seigneur, si c'est toi, c'est toi, Seigneur, tu te manifestes maintenant, Seigneur. Papa éternel, c'est toi qui nous as amenés à ce lieu. Tu as promis, Seigneur, que si nous sommes fidèles, si nous sommes fidèles, comme on a dit, tu as promis que si nous sommes fidèles, tu vas faire des grandes choses avec nous dans cette nation. Tu vas faire des grandes choses avec nous dans cette nation. Tu vas choisir les choses et villes que le monde, les hommes qui n'avaient pas de considération. Quand je me rappelle pour moi-même, je m'appuie Seigneur, Papa, je ne peux que croire à ta parole. Donc Papa, maintenant je te supplie, afin que s'il y a encore un vase qui est disposé, Père éternel, que tu saisis ce vase, et que Père éternel, mon Dieu, mon roi, que tu parles à ton assemblée encore, Seigneur, éternel, mon Dieu, mon roi. Que tu parles à ton assemblée encore, Seigneur. Que toi, tes serviteurs, que tu parles à tes serviteurs. L'œuvre est grave. Il y a peu de serviteurs. Il y a peu de serviteurs. Il y a peu de serviteurs. Il y a peu de serviteurs.
Donne une trajectoire pour que tes serviteurs s'appuient et qu'ils sachent que c'est toi qui les as réellement appelés. C'est toi qui les as appelés. Merci. En ce moment, ô Père, où tu nous as encore parlé, je glorifie ton nom. Nous glorifions ton nom. Nous glorifions ton nom. Nous glorifions ton nom. Nous glorifions ton nom. Papa, en ce jour où nous sommes venus, Seigneur, pour ce moment de rencontre ici, qui est le premier, nous savons que Père, tu nous as donné la nation. Tu nous as donné la nation. Père, nous ne méprisons pas les petits commencements. Nous savons que tu vas encore faire plus grand si nous sommes disposés. Papa, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, papa, béni sois-tu. Parce que tu es le Dieu éternel, le Dieu tout-puissant. Et l'Assemblée des enfants de Dieu acclame toi pour le Seigneur.
Alléluia. Amen. Nous allons ranger les chaises tout doucement. Alléluia. Tout doucement. Nous allons avancer. Gloire à Jésus-Christ. Compte tenu du temps, nous allons directement entrer dans le message. Après le message, nous allons faire le fait de communiquer. Ranger les chaises, alléluia. Pendant qu'on a les chaises, le peuple peut prendre une charque pour donner un chant. Une charque peut donner un chant pendant qu'on range les chaises. Pendant qu'on range les chaises, une charque peut donner un chant. Si quelqu'un, pendant qu'on est en train de prier, a fait une vision ou a entendu quelque chose à son oreille, il pourra aussi lever la main et on va écouter ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Alléluia, alléluia, le Dieu de Moïse. Alléluia, alléluia, le Dieu de Moïse. Vous bénirez l'éternel. Israël,
Jésus, 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 Jésus,
Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Je vous shalom encore dans le nom précieux de Jésus. Amen. Vous n'oubliez pas qu'on enseigne. Vous n'oubliez pas la prédication. Amen. 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 Et je vous salue encore dans le précieux nom de Jésus. Amen. Voilà, ça c'est bien. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous avons entendu le Seigneur dit quand ses serviteurs sortent pour parler, ce n'est pas eux qui parlent, mais c'est lui qui parle au travers de ses serviteurs. Alléluia. Amen. Vous amène là, vraiment. N'est pas dégoûté, même que vous dites là qu'il y a de l'ombre au ciel là. Que vous dites qu'il y a de l'ombre au ciel, leur amène, ils connaissent la valeur de leur Dieu. Leur amène là. Amen. 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 Mais vous qui dites que vous allez au ciel, si votre justice ne dépasse pas celle des parisiens là, ça sera difficile pour vous la jouer. Amen. 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 Personne, si quelqu'un avait sommeil, il devait rester chez lui pour dormir. Si tu es venu jusqu'ici là, ça veut dire que tu as bravé le sommeil pour venir louer ton Dieu. Donc, bienvenue dans le Seigneur, nous sommes là pour la dédicace de notre temps. Et au moment où j'étais en train de parler au Seigneur depuis Douala, il dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? J'ai dit, bon, vu qu'on a fait face à beaucoup de problèmes, et que là d'où nous viennent les problèmes, ils nous accusent de deux choses. Ils disent qu'on ne fait pas la part. Et on n'appelle pas un vase prophétesse. Et c'est comme ça qu'il trouble le peuple de Dieu avec. Donc, j'avais bien voulu réparer ça. Amen. À la lumière de la parole. Pour que tous ceux qui viennent soient ceux qui viennent, ils sont à la présence de Dieu. Amen. 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 Mais il s'est avéré que pendant que je suis sorti ce matin, je voulais me reposer un peu. Parce que parfois ça me fait comme la migraine. Et ça, une migraine dans ma tête, ça, une migraine. Et quand je vais me coucher, bam, je reçois quelque chose. Et quand il reçoit, immédiatement, je suis obligé de prendre ma Bible et tout commencer rapidement à rapistoler. Amen. Amen. Donc, entre temps, pendant que je suis entré là-bas, le Seigneur m'a dit le cœur de mon peuple. Le cœur de mon peuple. Mon peuple a peur. Amen. Mon peuple doute. Amen. Amen. Et mon peuple, son cœur, mon serviteur, travaille dans le cœur de mon peuple. Amen. Amen. Et quand la sœur Dorcas, le Seigneur l'a saisi, on a entendu ce que le Seigneur a dit. Il a parlé du doute, il a parlé de la peur. Amen. Amen. Et il a dit d'oublier le passé, d'avoir confiance en lui. Amen. Amen. Et quand le Seigneur a saisi la sœur pour une de la sœur, Abigail, pour la deuxième fois, il a dit travaillez sur vos cœurs. Alléluia. Amen. Dans le cœur. Et le Seigneur nous a encore répété, il a dit dimanche dernier, que ne confondez pas. Amen. Quoi? Amen. Donc, il dit que beaucoup de païens sont débrouillés, mais il n'a plus au ciel. Donc, si vous pensez que la sanctification, c'est le débrouillement, vous aussi, vous n'allez pas en. Mais il dit la sanctification, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Donc, quand on parle de l'âme, il n'y a pas assez de temps, alléluia, pour entrer dans l'anatomie du corps. Ça veut dire que expliquer le corps, même avec les faits scientifiques. On n'a pas besoin d'aller à l'école, quand le Saint-Esprit est là, amen. Il nous enseigne les choses, gloire à Jésus-Christ. Il nous enseigne les choses, amen. Amen. Maintenant, dans le corps, alléluia, le cœur de l'homme, l'homme étant subdivisé en trois parties. Alléluia. Le corps, l'âme et l'esprit. Alléluia. Maintenant, toutefois, quand on va parler du cœur, on parlera aussi de l'âme. On parlera aussi souvent de l'âme. Mais il y a un contraste à l'intérieur. Le cœur est un petit muscle. Alléluia. Qui, au maximum, s'il fait 2 kilos, 3 kilos, c'est beaucoup. Amen. Par contre, l'âme est une identité. Qui a des mains, des pieds, des yeux, des oreilles, alléluia. Amen. Ceux qui vont à la sorcellerie vont avec leur âme, qui est associée avec leur esprit. Amen. Voilà pourquoi quand le sorcier est sorti pour aller à la sorcellerie, son corps reste pied sur le lit. Amen. Amen. S'il part à la sorcellerie et qu'on l'arrête quelque part dans un village, vous allez venir trouver son corps couché sur le lit.
sais ce qui va venir lui faire ses incantations pour l'entrée. S'il ne prend la main, c'est pas le bébé de quelqu'un qui dérange. La personne que son bébé dérange là, il va venir prêcher sur le cœur. Amen. Amen. Donc maintenant, dans le cœur, nous voulons parler du cœur comme l'âme. Amen. Nous voulons parler du cœur comme le centre, alléluia, de toutes les pensées de l'homme. Alléluia. Il est vrai aussi que quand on parle de l'âme, amen, on va parler du centre des émotions. Alléluia. Le centre des sentiments. Alléluia. J'ai les émotions de joie, de tristesse. J'ai les sentiments d'amertume. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. On va parler de plusieurs choses. Mais ici, le cœur que je veux parler, c'est ce petit outil qui bat à l'intérieur de nous. Et à l'intérieur où il y a toutes les pensées. Donc, pour aussi conforme, c'est à l'âme. Je ne parle pas de l'âme aujourd'hui. On va prendre un peu de temps. Gloire à Jésus. Donc, pour aller rapidement, compte tenu que nous n'avons plus assez de temps, pour ceux qui écrivent, alléluia, vous allez écrire comme le titre, alléluia. C'est pourquoi j'ai intitulé ici là le panorama du cœur. Vous avez l'habitude à un français et des vers. Alléluia. Amen. Le panorama du cœur. Ça veut dire, quand on parle du panorama, tout le monde en allait parler du panorama, on parlera du panorama vulgairement et habituellement. Ça veut dire un bref aperçu. Alléluia. Alléluia. On va aussi remarquer rapidement, pour avancer, nous sommes dans quelques textes scientifiques encore, que le cœur, le mot cœur a été cité dans la Bible 876 fois. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, le mot cœur a été cité 876 fois. Ça veut dire que ce n'est pas un sujet qui est petit. Amen. Amen. Ce n'est pas un sujet qui est comment? C'est un grand sujet qui nécessite beaucoup de qu'on s'asseye et qu'on travaille à l'intérieur. Alléluia. Qu'on s'asseye, on travaille à l'intérieur. Bien-aimé peuple de Dieu, le cœur des enfants de Dieu est devenu tellement insensible à la chose de Dieu. C'est quoi vous allez vous dire? Dans des assemblées, on fait toute une adoration, personne ne coule même une larme, une seule larme. Pourquoi? Parce que les cœurs, Dieu est devenu leur ami, leur chiffon. Regardez simplement, allez là dans la rue, dès qu'on prononce un peu, tout le monde, comme nous on s'amuse, on dit Jésus, Jésus, des choses comme ça, c'est bien. Mais il faut le faire avec un sincère. Pour d'autres, c'est devenu un sujet d'amusement ou de raillerie. Non. Dieu dit qu'il faut ses adorateurs là-dedans, quoi. Et à l'esprit et à vérité. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et comprenez une chose. Si le cœur d'un homme n'est pas bien fait, cet homme sera le reflet de son cœur. Même s'il veut faire l'hypocrisie pour faire un semblant, vous finirez par découvrir qui est cet homme. Alléluia. Amen. Ou bien cette femme. On le connaît un arbre par quoi? Par ses fruits. Dans le cœur, la partie interne de notre être. Alléluia. Le cœur, la partie interne de notre être, comme l'intestin et plusieurs autres parties. Mais c'est le centre même de toute la vie de l'homme est dans le cœur. Alléluia. Donc, tu dis maintenant que le cœur est l'arbre sur lequel le fruit que nous portons dans nos vies est bon ou mauvais. Le cœur est l'arbre, alléluia, sur lequel le fruit que nous portons dans notre vie est quoi? Bon ou mauvais. C'est pour ça qu'on a dit que vous reconnaissez l'arbre par quoi? Par ses fruits. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Donc le cœur est l'arbre en réalité même qui porte les fruits. Et quand un arbre porte des fruits, les fruits vont finir par se manifester. Alléluia. Et ils n'ont même pas tombé. Les gens vont goûter et comprendront que cet arbre a des bons fruits ou des mauvais fruits. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Si le cœur d'un homme est bon, le fruit qu'il porte sera aussi comment? Si son cœur est mauvais, le fruit qu'il porte sera comment? Si le cœur d'un homme est sincère, tous ses œuvres seront comment? Si dans le cœur d'un homme est hypocrite, tous ses œuvres seront comment? Rempli d'hypocrisie. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je vous assure, voilà ma soeur bien aimée ici. Il suffit que je la dédie comme ceci. Alléluia. S'il a plus très fort, elle va manifester le reflet de son cœur. Immédiatement. Si c'est quelqu'un de violent, elle va manifester la violence. Si c'est quelqu'un de doux, quelqu'un d'amour,
Il va tirer le pied, il va dire, bien aimé, tu vas piétiner. Ah, c'est comment? Il va te donner cette douceur. Et toi, si tu vas répondre directement, mon bien-aimé, s'il te plaît, fais quoi? Pardonne-moi. Et immédiatement, lui que tu as piétiné, il va aussi te demander des excuses. En te disant, c'est moi qui te demande ce pardon parce que mon pied était placé au mauvais. Vous pouvez reconnaître le tas du cœur de cette personne. Gloire à Jésus-Christ. Donc, si vous êtes dans le réveil international, comprenez une chose. Nous, ici au réveil, on n'est pas là dans la. On a déjà fini avec la sanctification du corps. Ah, Dieu, on a fini. Ça, c'est le rudiment de base de la sainte doctrine. Amen. Alléluia. Amen. La sanctification du corps, on peut le faire en un jour. En une heure de temps. J'ai vu des gens qui sont arrivés chez eux, en une heure de temps, ils sont sanctifiés du corps. Ils ont sorti les mèches, ils ont sorti les pantalons, tous ces choses, les boucles, tout ils ont mis. Ils ont sorti les laits de beauté. Ils ont enlevé tous les laits de beauté, les parfums, tout. Ils ont brûlé tout. Amen. Amen. Ils ont fini la sanctification du corps. Vous allez encore rester dans l'église pour les prêcher la sanctification, pour prêcher sur la sanctification du corps, vous les dire quoi? Amen. Amen. Homme de Dieu, celui-là, on va passer tout un an à lui prêcher la sanctification du corps. Les mèches, 1 Thessaloniciens 2, 9, voilà, je le sais, 1 Timothée 2, 9, 1 Pierre 3, 3, Exode, ceci, non, Genèse 35, tous les jours, on va venir faire ça là. Ou bien on va prendre toute une matinée. Une heure 50, une heure de temps, 45 minutes pour venir citer les interdits du corps. Comme si on n'avait pas le temps pour adorer le Seigneur. Amen. Nous pouvons prendre le temps pour nous rappeler les interdits, c'est vrai, mais que ça peut être un flux du temps, juste un petit temps pour que ceux qui sont là, ce soit un rappel. Parce que l'homme, il faut toujours faire quoi? Il faut toujours rappeler. Gloire à Jésus-Christ. Mais le gros travail qui se fera jusqu'au retour du Seigneur, c'est dans le cœur. Alléluia. Amen. Il y a des démons que même si Jésus-Christ lui-même venait encore en chair, il ne va pas les chasser en toi. Il y a des gens qui disent pas ça, ne dit pas ça. C'est la vérité. La Bible dit que quoi? Quand Jésus est arrivé à Nazareth, il n'a pas pu faire des miracles à cause de quoi? L'incrédulité. À cause de quoi? L'incrédulité. Mais il y a des démons dans ta vie là. Pour d'autres personnes là. Amen. Il y a des démons dans ta vie. Que même si Jésus venait, toi tu ne seras jamais délivré. Lui me va dire feu, 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 feu. Tu ne seras jamais délivré. Parce que ton cœur est incrédule. Ton cœur n'a pas besoin de délivrance. Ton cœur n'est pas sincère. Ton cœur est rempli de malice. Ton cœur est rempli de méchanceté. Ton cœur est rempli de calomnie. Ton cœur est rempli de moquerie. Écoutez, peuple de Dieu, vous qui avez accepté de suivre le réveil international Jésus le Dieu, nous, nous sommes libres en Jésus. Amen. Personne n'a dit amen. 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 Nous sommes libres en amen. Jésus. Amen. Amen. Je peux, amen. Alléluia. Je peux amen. Manifester à mon frère tout ce que je suis sans hypocrisie et qu'il découvre mes fautes. Amen. Et qu'il m'aide. Que de lui montrer l'apparence de ce que je ne suis pas, mais tout au fond, je médite sa mort, son mal. Cette façon de faire, quand vous venez là, vous laissez ça là-bas, à la fin, comment? Quand vous parlez là? Siméon. J'appelle Siméon. Vous laissez ça là-bas. Et quand vous rentrez, vous ne repassez plus ma chapelle Siméon. Vous cherchez notre route. Amen. Vous ne parlez pas de votre bagage. Amen. Alléluia. Amen. Les bagages des cœurs médisants. Et je vais vous dire, demandez pour ceux qui connaissent, même quand je faisais le ministère avant la voilage, si j'apprends seulement qu'un frère ici, une soeur ici, est sujet de calomnie sur un serviteur de Dieu, sujet de calomnie sur une autre soeur, vous voyez mon Dieu là, non? Moi, je ne marche pas, mais moi, je ne suis pas un hypocrite. Je vais te le dire. Et de la façon la plus crue pour que ton âme soit sauvée. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, tel un homme est. Son cœur. Ton cœur aussi l'est. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, nous allons lire Matthieu chapitre 12, verset 33 à 35. Un autre serviteur de Dieu va prendre Matthieu 7, 16, 18. Un autre serviteur va prendre Proverbe 4, verset 23. Pour ceux qui sont en train d'écrire, alléluia. Vous pouvez d'abord le premier qu'on va lire. Tout va que chaque serviteur, amen. Tout va que chaque serviteur va lire, il va citer le verset et vous écrivez. Amen. Amen. Donc le premier serviteur va lire Matthieu, le deuxième va lire Matthieu et le troisième va lire Proverbe. Voilà Jésus-Christ. Proverbe combien? Matthieu 12, 33 à 35. Mm-hmm.
Matthieu 7, 16 à 18, Proverbe 4, verset 23. Donc vous vous organisez derrière, comment vous allez dire ensemble, alléluia. C'est dire la parole du Seigneur Jésus-Christ avec respect. Donc attendez, le premier lecteur va vous permettre d'écrire Matthieu 12, alléluia. Voilà. Donc tu prends ça, quand le deuxième va se délivrer aussi, lis la référence et tu vas écrire, pour que tu ne sois pas distrait. Amen. Matthieu 12. Matthieu 12, alléluia. Verset 33 à 35, il est écrit. Amen. Who dit que l'arbre est bon et que son fruit est bon? Oui. Ou dit que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, mm-hmm. car on connaît l'arbre par le fruit. Mm-hmm. Race des vipères, mm-hmm. comment pourrez-vous dire les bonnes choses, méchants que vous êtes, mm-hmm. car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mm-hmm. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, mm-hmm. et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Alléluia. Amen. 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 Qui connaît, on peut compléter ça. Amen. Là d'où le trésor d'un homme est. Vous dites ça petit comme ça. Son cœur y est. Tout son cœur. Tout son cœur est là-bas. L'homme méchant dit quoi? Son trésor. De son mauvais cœur. De son mauvais cœur. Et l'homme bon qui son trésor. De son bon cœur. De son bon cœur. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Tout le monde dans le Seigneur dit à celui que j'ai beaucoup donné, j'en demanderai beaucoup. Bien aimé dans le Seigneur, je vais vous assurer, votre cœur ne jouez pas avec. D'où viennent les meurtres? D'où viennent les adultères? D'où viennent les fornications? D'où viennent les bêtisages? D'où viennent les moqueries? D'où viennent les calomnies? D'où viennent les divisions? D'où viennent les rejets? Les convoitises? Bien aimé, tel qu'un homme te regarde à travers ses yeux, tu peux connaître ce qu'il pense même dans son cœur. Amen. Amen. Je vous assure la vérité. Donc Matthieu nous fait comprendre que quoi? Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Un bon arbre ne peut que produire des bons fruits. Un mauvais arbre ne peut que produire des mauvais fruits. Il dit, race des vipères que vous êtes, qui vous a, vous ne pouvez même pas produire des bons fruits. Ça, c'est pas possible. Et le Seigneur nous a dit quoi ce matin? Il dit, beaucoup vont venir, mais dans le but de faire quoi? De nous éprouver. Ils viendront vous asseoir avec nous. Ils vont se dépouiller. Ils vont même peut-être même recevoir même le don gratuit de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Mais parce qu'ils ne sont pas capables de changer leur cœur, c'est pas possible. Alléluia. Amen. Ils vont manifester leur nature. Mais pour nous, amen, qui sommes des véritables enfants de Dieu, pour nous qui aspirons à aller au ciel, pour nous qui travaillons pour changer notre cœur, afin de recevoir le salut éternel, nous ne ferons pas partie de leur compagnie. La parole de Dieu dit dans le livre de Somme chapitre 1, maudit soit l'homme qui se met en compagnie avec eux, qui ne s'assoit pas sur. C'est pas mon cœur. C'est heureux ou bien maudit? Heureux l'homme, hein? Accompagné de mon cœur. Alléluia. Qui s'assoit pas sur la voie de du péché, du méchant. Alléluia. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Qui ne s'assoit pas en compagnie des. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui médite. Qui le médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne flétrit point, qui produit son fruit en sa saison. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On a dit là comme un arbre planté près d'un courant d'eau. On a dit que le cœur c'est quoi? Alléluia. Amen. Quand quelqu'un est donc bon et qu'il est planté, enraciné en Jésus-Christ qui est bon, il devient bonbon. Alléluia. Amen. Il va produire le fruit de quoi? De la bonté. Ça sera par saison? Non. Ça sera comment? À chaque saison. Est-ce que son péage va flétrir? Non. Quand le Seigneur dit que je ne veux pas les gens tristes dans ma maison, c'est parce que le péage a flétri. Amen. Et un homme dont le péage flétrit, il ne peut pas avoir le fruit en toute saison. Alléluia. Amen. Donc les chrétiens qui viennent à l'église,
Quand il regarde le pasteur regarde la panthère sur lui là. Non, 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 c'est pas bon, hein. Amen. Ça reflète l'état de ton cœur. Soyez toujours. Je ne sais pas c'est qui. Le rusé, le malicieux, le séducteur, toutes ces choses-là, alléluia. On te dit que tu es d'une race, donc tu es d'une descendance. Nous savons que parmi les enfants de Satan, donc tu fais partie d'une race. Et peut-être la race, la race de vipère, tu es la race de colère. Tu es la race de calomnie. Tu es la race de murmure. Tu es. Bien aimé, toi tu es dans quelle race? La race de la joie. La race de l'amour. La race de la paix. La parole de Dieu dit. La race de la race qui amène pas de bonnes choses. Amen. Il dit vous êtes. Il dit que quoi? Il dit la parole de Dieu dit que quoi? Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Gloire à Jésus. 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 Comment donc une race royale? Alléluia. Comment tu vas prendre les calomnies dans la cour du roi? On va trouver les divisions dans la cour du roi. Comme pasteur David, pourquoi la cour David parle aujourd'hui? On va m'appeler en deux semaines. Mais pasteur, celui qui m'appelle comme ça, là, j'envoie le feu sur lui. Pasteur, le prophète est, la sœur est. Non, ne m'appelez pas. Première fois, tu vas faire, je vais écouter, je vais dire, j'ai compris. Deuxième fois, il va monter ici, c'est là où il est pour qu'il fasse ta délivrance. Si tu n'es pas délivré après ça, c'est que toi, tu es de la race. Je n'ai pas dit ça. Amen. Amen. Je vais dire rapidement, pardon. Matthieu 7, verset 16 au verset 18, j'ai lu au nom du Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Vous les reconnaîtrez à leur conduite. Mm-hmm. On ne cueille pas des raisins sur des buissons d'épines, ni des figues sur des chardons. Un bon arbre produit de bons fruits. Voilà Jésus. Et un arbre malade de mauvais fruits. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, comment vous voulez récolter le raisin sur des ronces et des épines? Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Si on avait les ronces et les épines, le temps d'enlever. Commence à casser. Il y a combien d'épines là sur toi? Commence à casser ces épines. Les épines de la colère, les épines de la moquerie, les épines de la calomnie, les épines des murmures, les épines des méchancetés, les épines d'instabilité. Parce qu'il y a des gens instables. Nous, on revient à l'intervention, Jésus revient. On va vous dire quelque chose. Hein. On ne pêche pas dans l'aquarium. Amen. Amen. On pêche pas où? Amen. Qui connaît l'aquarium? C'est un petit bocal qu'on m'a à la maison avec des petits petits poissons. Il y a l'océan, il y a la saranga, il y a l'oignon. Oignon que l'apôtre David, le prophète, le pasteur, pas dans l'oignon jeté son hameçon et tirer le kanga. Il vient là-bas pour tirer les petits, les frites, on appelle les frites. Les mounjamoto. Et les mounjamoto dérangent. Il mange la pas. Il mange la pas, côté à côté, côté à côté, il ne prend jamais. Ouais. Amen. Amen. Faites attention. Alléluia. Amen. Ne sois pas un danseur de la danse bafia de chez moi. Alléluia. Amen. Il fait comme ça, il fait comme ça. Amen. Il faut que ton cœur change. Alléluia. Amen. Et que tu sois stable. Gloire à Jésus. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il dit vous le reconnaître par leur. Dans la version, vous le reconnaître par quoi? Leur conduite. Leur conduite. Dans cette version, il dit leur conduite. Dans Matthieu, dans la Bible, il va dire leur conduite. Mais il dit leur conduite. Un calomniateur, c'est un serviteur de Dieu. Non, c'est un serviteur. C'est un serviteur. Ma pas trop fort comme ça, on risque de tout localiser. Alléluia. Amen. Donc, ce que vous allez comprendre, les femmes, c'est comme ce qui va se passer, c'est que, logiquement, les femmes, pendant l'enseignement, écoutent. Amen. Elles peuvent dire Amen. Si le bébé dérange, elles peuvent redresser le bébé.
mais interagir dans le message. Alléluia. Amen. Ce n'est pas bon. La Bible dit que la femme doit écouter l'instruction avec quoi? Silence. Si elle a sujet de comprendre quelque chose, elle fait quoi? Et si elle n'est pas mariée, elle fait comment? Elle demande à l'homme de Dieu après le culte. Elle demande à l'homme de Dieu après le culte. Alléluia. Amen. Et si même, elle avait quelque chose, aujourd'hui on écrit, non? Elle peut écrire sur son papier, elle peut passer à un serviteur de Dieu et nous on peut gérer ça ici. On peut peut-être, c'est une question, on peut répondre. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Hein? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je ne sais pas pourquoi les choses sont comme ça. Je demande à quoi Dieu pourquoi. Peut-être qu'il va le mélanger, on va expliquer pour ça libère tout le monde une fois. Amen. Amen. Qui va lui couvrir? Couvrez bien nous. Si c'est pas là, prenez ce qui se passe à qui? Pasteur. Voilà. Amen. Amen. Donc c'est comme ça que le cœur doit être. Toutefois que vous recevez une nouvelle, vous entendez une information, vous méditez quelque chose, il faut examiner votre cœur immédiatement pour demander que la nouvelle que j'ai cette nouvelle dans mon cœur. Amen. Amen. Quand la sœur est venue me parler, quand le frère est venu me parler, en réalité, j'ai entendu de mes oreilles. Mais quel était le but de sa conversation avec moi? Amen. Amen. Si c'est rempli de semences, alléluia, il a gardé son cœur bien. Non. Il garde bien son cœur. Il garde son cœur dans la tristesse. Et il ouvre son cœur à toute autre chose qui peut arriver à tout moment. Et quand c'est comme ça, Satan aussi va faire quoi? Il va arriver. Il va dire, tu connais ton malheur? C'est ta maman. Ton malheur, c'est le gars-là que tu as donc le père des enfants-là qui t'a abandonné. Ton malheur, bien aimé, la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair. Nous luttons contre les principautés, les dominations, les autorités. Alléluia. Amen. Et les esprits méchants dans les lieux célestes. Bien aimé, même si on tue toute l'humanité aujourd'hui, l'arbre que tu vois là va devenir ton ennemi. On tue tous les humains pour qu'il y ait tes ennemis là. Les lions vont venir habiter avec toi, devenir tes ennemis. Vous savez pourquoi? Parce que les démons ont sur la capacité d'entrer en eux. Amen. Donc aujourd'hui là, si tu tues un sorcier, est-ce que la sorcellerie de là va finir? Jamais. Il y aura tous les sorciers dans ton là, il faut te faire la sorcellerie. Amen. Amen. Mais si tu te lèves en gardant bien ton cœur, quand le sorcier va voir que dans ton cœur, il ne tue plus les méchancetés qui est sans doute, ses fruits que lui mange. Alléluia. Il ne tue plus les médisants. Il ne tue plus les fornications. Il ne tue plus les pornographies. Il ne tue plus toutes ces choses-là. Il va encore rester. Les chrétiens d'autrefois ne croyaient pas à la délivrance que vont produire du sorcier. Et moi, si vous dites quelque chose, moi-même à la limite. Si la délivrance du sorcier là, c'est pourquoi du sorcier tu tombes. Après, notre ami, c'est un délit, après, demande à être fier. L'apôtre Paul dit que si j'ai mangé et je suis vêtu, cela fait quoi? Me suffit. Celui qui va dire le niveau qui se lève le matin. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Celui-là, il a commencé bien sa journée. Alléluia. Amen. Il va la terminer comment? Bien. Quand j'entends le matin, les oiseaux chanter sans cœur, louant le Dieu, le Créateur. Et toi, mon ami, tu dois chanter. Alléluia. Amen. Regardez l'oiseau qui chante quoi? Quand l'oiseau se lève le matin, il a une direction qui part tous les jours. C'est de quitter de ce côté pour aller de l'autre côté. Et le soir, il faut quand même quitter de ce côté-là pour venir de ce côté. Il se soucie de la vie qu'il va porter. Mais ses plumes sont tellement jolies que chaque jour, ça se renouvelle. Vous savez pourquoi ses plumes se renouvellent chaque jour? Parce qu'il n'a jamais de soucis. Vous savez pourquoi chez lui, il y a beaucoup de maladies? C'est à cause des soucis. Le mauvais état du... Est-ce que quand il est guéri? Est-ce que quelqu'un te guérit? Amen. Est-ce que quelqu'un te guérit? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc l'oiseau, lui, c'est là le matin, il rend grâce à son Dieu. Il rend grâce à son Dieu. Il n'a pas encore vu l'insecte qu'il va manger aujourd'hui. Mais il a déjà rendu grâce à Dieu. Il n'a pas encore vu le fruit qu'il va manger aujourd'hui. Mais il a déjà rendu grâce à Dieu. Même si la vie sur l'arbre fruit, Dieu l'a lui mange. Il trouve les singes sur ça. Il ne panique pas. Ils savent qu'ils ont leur temps de manger et son temps à lui faire quoi? Arrive. Mais chez nous, les hommes,
Nous nous levons le matin, première des choses, on a plongé dans les soucis. Les soucis d'aujourd'hui, les soucis de demain et les soucis d'après-demain. D'autres gens, il y a des soucis même de 25 ans. Ma vie, c'est ta vie. Tu peux ajouter un seul jour dans tes jours. Quand tu dors le matin, qui te réveille? C'est le Seigneur qui te réveille. Amen. Gloire à Jésus. Pourquoi quand il te réveille, tu ne peux pas dire Seigneur, je te bénis pour ces journées d'aujourd'hui. Si 17 heures de tout, tu n'as pas encore mangé, tu ne fais que le bénir. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les autres, ils ont un petit travail. Quelqu'un n'est pas marié, il a un travail qui gagne 100 000. Mais il a des problèmes plus que celui qui a 5 enfants. Il gagne 50 000. Vous me dites, moi, c'est normal. Il a 100 000, il n'a pas d'enfants. Mais ses problèmes dépassent celui qui a 5 enfants qui gagne 50 000. Il dit, tu es la vie dans quoi? La convoitise. La convoitise. Il a la vie comme un frère pour le. Mais dans ses 100 000, au lieu de s'organiser pour manquer, vivre dans ses 100 000, il est déjà en train d'aller chercher une autre tunique encore parce qu'il a vu le serviteur évangéliste Samson avec la tunique là. Il est parti passer la commande de 150 000. Mais il a divisé son salaire en deux lieux pour pouvoir s'acheter une tunique. Et tous les jours, c'est comme ça qu'il souffre. Celui-là, il va finir par tomber dans le piège de l'ennemi. Alléluia. Donc on était dans le grand cœur, alléluia. On disait le cœur, la partie interne, alléluia, de notre être. Alléluia. Gloire à Jésus. On disait que nous pouvons reconnaître l'arbre par ses fruits. Donc nous sommes dans la partie 2 maintenant. Il est nécessaire que la parole de Dieu soit présente dans le cœur pour qu'il soit fructifié, pour que l'homme se fructifie. Alléluia. Pour que l'homme produise plus de fruits, bon, il faut que la parole de Dieu soit présente dans son cœur. Il est important, impératif que la parole de Dieu soit dans le cœur de l'homme. Alléluia. Amen. Si la parole de Dieu n'est pas dans le cœur de l'homme, ça ne sera pas possible. Vous allez voir, pour des gens qui vont marcher avec nous souvent, ils vont vous dire, parfois des gens me demandent qui est passé, homme de Dieu d'avion. Toi là, est-ce que tu as même soit le problème? Des gens viennent, tu vois toute ma grande famille, ils me demandent, toi tu as les problèmes, tu ne travailles pas, tu vis comment? Amen. Amen. Je vous assure. Amen. Amen. Je n'ai pas de problème. Mon cercueil, David a passé la commande depuis qu'il a demandé à Jésus. Amen. Amen. David a passé la commande depuis où? Amen. Vas-y, mon Dieu. 2 Corinthiens 7, verset 10. Alléluia. Car la tristesse conforme au plan de Dieu produit un changement de comportement qui conduit au salut sans qu'on ait à le regretter. Oui. Mais la tristesse causée par les soucis de ce monde produit la mort. Produit quoi? Produit la mort. Produit quoi? Produit la mort. Et quand la mort va t'attaquer, elle va t'attaquer dans combien de domaines? Tous les domaines, avec 3 domaines. Le corps, l'âme et l'esprit. Amen. Amen. Vous avez entendu un qui dit, parce que moi là, je ne rêve pas depuis haut. Quand je rêve même, après je me lève, j'oublie. Celui-là, il a été attaqué déjà dans son esprit et dans son âme. Parce qu'il y a la collaboration entre l'âme et l'esprit. Alléluia. Et maintenant, quand l'âme et l'esprit ne collaborent plus, l'âme va collaborer avec qui? La chair. Amen. Amen. L'esprit est le roi. Alléluia. Amen. L'âme est le serviteur et la chair, le corps est l'esclave. Amen. Amen. Mais ici, dans la relation qu'il y a entre le corps, l'âme et l'esprit, alléluia, Amen. C'est plutôt l'inverse. C'est le corps qui devient souvent le roi. Et l'âme, c'est un mauvais type. Hein? Il est comme les chrétiens qui dansent 2 pieds. Il dit de moi là, je suis là. Il danse 2 pieds comme ça. Si le bateau part à gauche, tu fais comment? Tu es descendu. Donc l'âme, lui, est comme ça. Très, lui, dès que la chair le convainc, il devient partenaire de la chair. Si l'esprit le convainc, il devient partenaire. Demain, toi, tu demandes à moi, demande tout ce que tu voudrais, cela te sera accordé. Donc il ne fait que lui, il lui dit encore que
Elle cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Après, je vais te donner tout. Donc, il ne fait que lui paraître. Et la chair vient nous dire aussi à l'âme, garde. Proverbe 4, 22. Tu vas doucement, tu manges là en esprit. Proverbe 4, 22, il est écrit. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Sois quoi? Attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne se loigne pas de tes yeux. Garde-les. Dans le fond de. Amen. Je vais poser une question à quelqu'un. Si tu dors la nuit, tu rêves que le diable est venu voler tous tes prêts. Tu fais comment? Amen. Tu fais comment? Bien aimé, il avait dit comment le diable ne peut plus me faire un esclave. Avant, le diable venait, il me fait les choses, il me réveille, il passe les nuits d'insomnie. J'ai dit que s'il doit passer ma nuit dans l'insomnie, c'est que moi-même j'ai voulu prier Dieu. Voilà. Donc je me lève la nuit à mon œuvre pour prier Dieu. Mais si le diable veut finir tout mon village, s'il veut voler tous mes biens, la parole de Dieu dit quoi? Alléluia. Si je vis, c'est pas de qui vient à moi. Ce qu'il dit, c'est Christ qui dit, je suis caché en Christ. Donc si je suis caché en Christ, qu'est-ce que le diable peut me faire? Il a dit ici tout de suite là que quoi? Il a dit que si. Il a dit quoi, nos ennemis ici? S'il avait nous qui perdre contre eux, quand ces paroles-là demeurent en vous dans votre cœur, amen, vous n'avez pas besoin de vous soucier de quelque chose. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui vous fait avoir beaucoup de soucis? Qu'est-ce qui vous fait avoir des problèmes? Alléluia. Quand la parole de Dieu demeure à moi, Éphésiens 6, 12, je vous dis comment prendre contre la chair et le. À tous ceux qui l'ont reçu, Dieu le fait de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont les noms, la volonté de la chair, non la volonté du sang, non la volonté de l'homme. Il est né de la volonté de Dieu. Moi, je suis dans la dimension où je vais me chamailler avec les hommes. Je suis à la dimension où ça va être les démons, parce que je suis les esprits. Je commence à avec les esprits, parce que je suis un être spirituel. Et quand toutes ces paroles-là sont dans mon cœur, est-ce que mon voisin-là peut me faire quelque chose? Je suis son ennemi. Que le voisin sorte, il se met à la devant ma porte, il m'insulte toute la journée. Quand je sors, je rentre le soir, je vais regarder quelque chose. Si j'apprends que les malades veulent le ramener ici, oh, je vais les donner. Hé, hey, voisin, j'ai appris que tu étais malade. La Bible dit qu'en faisant ainsi, tu fais quoi? Charbon sur sa tête. Mais vous, alléluia, qu'est-ce qu'il nous faut avoir pour le problème? Nous regardons le frère, quand je vais à l'église, la sœur tête me regarde souvent bizarre. Sachez que je suis à l'église, là, il y a les agents du diable. Ils sont là pour les rôles. Leur rôle là, c'est de tuer le matin qu'on arrive et de vous tuer toute votre petite onction que vous avez avec. Et comme vous aussi là, vos cœurs ne sont pas encore faits à l'état d'enfant, à l'état de fils de Dieu, à l'état d'homme. Alléluia. Vous êtes encore à l'état d'enfant. Bien aimé, si le petit enfant qui est en train de marcher là, va là-bas à la rue maintenant. Si on l'arrête, il peut crier, ça va arriver ici. Le petit enfant garçon là, il part là-bas à la rue tout de suite. Les bandits ne le font, il peut crier, ça va arriver ici. Ça ne peut pas arriver. Amen. Mais si un grand sort là où les bandits sont avec le couteau, c'est qui? Venez, le quartier va sortir. Vraiment faux. Parce qu'en lui, la sonance de sa voix a déjà consommé beaucoup. Ça fait que elle est aiguë et fort. C'est la même chose avec un enfant de Dieu. Alléluia. Quand tu atteins un niveau fort où la parole de Dieu est remplie dans ton cœur. Alléluia. Quand l'ennemi se lève contre toi. Alléluia. La parole de ton cœur parle plus fort. Et tu le regardes, tu dis que, mais ne perds pas le temps. Alléluia. C'est mon heure de prière, les 13 heures. Et pas le temps de venir me chamailler, de faire comme ça. Alléluia. Amen. Tu auras moins de problèmes. Gloire à Jésus. Amen. Moi, tous mes voisins m'ont cherché les problèmes. Quand celui-là est venu mettre la limite sur la partie de mon terrain, il lui a dit, voisin, tu as pris combien 4 cm. Il fallait me demander le papier, que je ne passe pas de te donner une fois, pour que nos enfants ne laissent pas avoir les problèmes après. C'est lui qui comprend que hey, il dit, il faut que je dépasse la parole. Parce que je lui ai lancé un message fort. Que comme tu as appris là, moi je ne vais même pas faire les problèmes. Mais à ma mort et à ta mort, nos enfants sortiront les papiers. Et ils vont discuter de 4 cm là. Amen. Donc lui-même est obligé de dépasser quoi? La parole. Amen. Amen. Vous voulez vivre sans avoir les problèmes, c'est ça? C'est la parole de Dieu demain dans vos cœurs. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On a vu les âmes, on est dit.
car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. La, ceux qui ont la parole de Dieu dans leur cœur, c'est quoi? La vie. C'est quoi? La vie. C'est quoi? La vie. C'est la santé pour tout le monde. Les gens viennent passer plus pour moi, je suis malade depuis des années. Ah, attention. Bien aimé, si la parole de Dieu demande pas sur lui. Regardez, la parole de Dieu dit quoi? Quand la parole de Dieu demande, moi par exemple, c'est David. Je ne peux pas venir me plaindre, je suis malade. Quand je me plaint, tu vas me donner les comprimés. Je ne fais pas avec. Première des choses, quand j'entends que mon corps est quitté, je dis à mon corps que écoute là, tu vois là. Voilà. Avant même que je me suicide, tu étais déjà mort. Un mort n'a pas le droit de faire le bruit. Je t'amène où je veux. Et maintenant, il va ne dire pas. Dieu a envoyé sa parole a fini par toi quoi? Par les guérir. Amen. Amen. J'ai envoyé sa parole a fini par faire quoi? Les guérir, c'est pas écrit. La parole de Dieu a venu faire quoi? Pour nous guérir. Guérir le corps, guérir l'âme, et guérir l'esprit. Alléluia. Je peux pas dire à Jean 17, alléluia. Il va dire à Jean 17, 17 ou pas. Père, Père sanctifie par ta parole. Quand ta parole est quoi? Vérité. La vérité. Un homme sanctifié. Le mot sanctifié veut dire quoi? Mis à part. Alléluia. Moi, je suis mis à part des problèmes. Je suis mis à part des calomnies. Je suis mis à part des mensonges. Je suis mis à part de ceci. Mis à part. Alléluia. Bien aimé, quand on amène ces choses à toi, toi fais quoi? Mets-toi. Allez, on va mettre pour ça. Tu vois. La poudre. Dis-moi. Quand tu as appelé la poudre, alors du bio, je n'étais pas. Si tu as le souci, va voir la poudre. Là, l'église va faire quoi? Mais si nous commençons là demain, tu es dans l'église, la façon que la scène. Il est passé de demain, même parce que la scène a des sales habitudes. Amen. Quand on a lu la lumière, on voit l'obscurité. Quand on a lu la lumière, on voit l'obscurité. C'est là le noir qu'on voit, le noir bleu faux. Amen. Amen. Si je suis de la lumière, je vois quoi? Amen. Pourquoi je veux voir les défauts dans la vie de mon frère? Hein, maman, je vois mon maman sourire. Alléluia. Amen. Bien aimé, ça laisse aller de l'assemblée, de l'ensemble de l'esprit. La parole de Dieu, c'est par lequel. C'est parler pour que la personne change. Alléluia. Amen. Moi, je suis de la lumière. Christ a dit que quoi? Une lampe qui est allumée ne peut être cachée. Amen. Et si elle prend la main où? Si le chandelier, en fait, elle passe quoi? Elle éclaire dans les ténèbres. Ça veut dire si moi, il y a dit quelque part. Moi, j'arrive dans les églises, on me dit que l'église, il n'y a pas d'amour dans cette église-ci. Mais quand moi, on est parti à Bassam. On me dit, tu as eu un problème à Bassam. On a eu un souci avec personne, jusqu'à quand on est rentré. Amen. Plutôt le jour qu'on est rentré, les gens pleuraient. Pourquoi? Les gens, mon petit, on est revenu là, non? Nous, on est amené chez nous, tu l'as du choix du tout. Alléluia. On nous appelle avec les danseurs de chaque seconde. Dès qu'il y a un petit, tout le monde a mis la chanson. On est, les gens disent, mais vous êtes toujours, comment vous êtes tout dans la joie tout le temps? Amen. Amen. C'est comme ça. Tout le diable là pour la combat de supporter. Le diable ne supporte pas la joie, il ne supporte pas l'amour, il ne supporte pas la paix, il ne supporte pas la confiance, il ne supporte pas la sérénité. Quand ces choses sont avec toi, le diable ne peut rien contre toi. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Résistons au diable. Pourquoi résister au diable, ça allait te tenir avec le de la langue. Ou bien tout le monde dit là, fais Satan, tu te dis fais Satan, mais tu as l'automne noir contre ton passé. Tu résistes à quel diable? Résiste au diable, c'est que ton cœur ne reçoit pas les amertumes qui viennent de dehors. Amen. Ton cœur propre. Alléluia. Amen. Ton cœur comment? Propre. Ton fait ton français, c'est vrai, on dit ton français. Mais toi, tu as trouvé une raison. Attendez. Oh mais tu le pasteur Jean a fait ceci contre le pasteur David. Il a même fait ce très grave, je vois les faits sont graves. Et quand je m'assois, je dis, pasteur Jean. Oh pasteur Jean. Quand j'appelle pasteur Jean, même à minuit, il vient. Si je suis malade, pasteur Jean va aller de côté dans l'hôpital. Je me souviens la dernière fois, pasteur Jean m'avait fait telle chose. Pasteur Jean, c'est pasteur Jean, oui, tu es où? Gars, il y a un morceau de maillot qui est à la maison. Après le pasteur, on a mangé. On s'est embrassé.
tout ce que j'ai entendu là fait comment? Et le diable a eu quoi? Oh. Vous voulez quoi? Vous voulez vivre là encore avec les uns et les autres, n'est-ce pas? Oui. Alléluia. Amen. Oh Dieu. Jésus répondit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement, oui. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'un des gros problèmes, c'est que les gens ne veulent pas vivre la parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Et parce qu'il veut vivre seulement le pain, il veut avoir le pain tous les jours. Même Jésus lui-même, il a manqué le pain. Et nous sommes les imitateurs de qui? Jésus. Tout évangile qui te dit que tu as une époque, tu es heureux, joyeux, dans le bonheur, dans l'abondance, est un évangile de démon. Ce n'est pas l'évangile de Jésus. Christ a dit que soyez mes imitateurs. Paul a dit que soyez mes imitateurs comme je suis quoi? Alléluia, c'est ce que Paul a dit sur l'imitateur de Christ. Il dit de quoi? Il dit je porte en moi les marques qui étaient sur Christ. Les marques là, c'est quoi? C'est que moi, passé David, alléluia, qui suis rentré d'Abidjan avec mon 108 kilos. Voilà comment ça y est, tu es parti. C'est les marques de Christ. Alléluia. Amen. J'avais un choix, soit abandonner ma famille, rester à Abidjan, vous abandonner, rester là-bas, parce que là-bas me tenait bien. Mais à cause de l'amour de Christ pour vous et de ma famille, je suis revenu. Le marque de Christ, c'est quoi? Toi qui étais la fille hier, qui portait les talons ici en haut, toi qui étais la fille, que si tu bibles seulement, alléluia, on a déjà envoyé le World Express Union, Orange Money, Money Ground. À cause de Christ aujourd'hui, alléluia, tu te retrouves à terre et dormir par terre. Tu te retrouves, tu n'as plus personne qui peut payer ton loyer. Le marque de Christ. La parole de Dieu dit, Jésus dit, les renards ont des tanières, le fils de l'homme n'a pas un endroit où mettre. C'est pourquoi tu es aujourd'hui. Alléluia. Amen. Si tu es sur Jésus, sache que tu l'as pendant ta tête. Jésus est arrivé au Kinyamunaya pour lui le gigué. Quand il est arrivé de l'arbre, il a regardé. C'était même pas la saison de bondissant. Il a regardé, il a dit mon frère, quand tu devrais produire toutes ces hommes, pourquoi tu ne le produis pas? Je te maudis. La famille n'a fait la maudit l'arbre. Amen. Amen. Sachez que toute fois que Dieu va vouloir venir chercher ses qualités en vous, si le tout pas, vous serez maudit. Alléluia. Amen. On a dit le cœur de l'homme est l'âme qui produit quoi? Amen. Si Dieu vient chercher ses qualités en toi, il envoie Satan dit à Satan que mon fils là, comme tu dis, va le prouver. L'agent de Satan arrive. Il te prouve et Dieu voit que tu as échoué, les preuves, tu es tombé. C'est même pas. C'est parce que je suis en Christ que tu as me fait ça. La sainte doctrine, là, je mets d'abord ça de côté et je gère. La sainte doctrine sauve les gens. Quand j'étais moi, mes enfants. Ah. Amen. Amen. Et quand tu as mis les côtés, tu parles de tes âmes. Alléluia. Mais celui qui est dans la sainte doctrine, dit quoi? Il dit mon frère, on va faire les problèmes. C'est ça que moi, je suis un enfant de Dieu, je n'aime pas les problèmes. La personne insiste que tu vas me donner les 10 000 là. Il dit, mon frère, si c'est les 10 000 là qui te plaisent, après un problème, je ne veux pas qu'on passe les problèmes. En tout cas, je sais que tu n'as pas raison. Mais à cause du fait que je ne veux pas qu'il y ait des mauvais têtes, peut-être tu comprendras demain. Voilà les 10 000 là. Prends. L'autre va faire comment? L'autre qui a la sémence du blasphème, l'autre qui a la sémence d'un cœur mauvais. Il va dire, parce que je suis enfant de Dieu, je vais la pêcher, je te donne les 10 000. Mais les 10 000 là, je maudis ça. Tu vas voir les 10 000 si là. Ce sont mes 10 000 et que tu n'avais pas raison. En maudissant là, de 10 000 à ton argent là, tu es en train de maudire tout le reste de l'argent qui vient derrière. Le 10 000 là est quoi? Elle enseigne de tout l'argent qui vient derrière. En maudissant là pour le tu as maudit les petits fils, arrête les petits fils qui viennent derrière. Je maudirai ceux qui te maudirai. Je bénirai ceux qui te la Bible dit que quoi, nous devons maudire tous les jours, c'est vrai? Non. Et nous ne l'avons fait pas. Béni, celui qui maudit, il est comment? Il est fils du diable. Amen. Gloire à Jésus. Tu as demandé la permission à ton patron a refusé. C'est l'opportunité pour toi pour l'insulter. Tu me dis que les gars avec les chrétiens.
C'est à cause de ça que beaucoup de païens qui sont là, il y a des pasteurs là dehors, des apôtres, ils ne peuvent pas venir à cause du comportement de certains membres de leur famille. Regardez ce qu'on dit les gens de robe. Moi, depuis que je suis petit, ma maman m'avait appris que dans les églises, quand tu vois les gens qui portent les robes avec les foulards, leur cœur est noir. Ma mère, elle n'a jamais cru. Elle me dit, quand tu vois les églises, les gens qui mettent des foulards, ils portent des robes, leur cœur est noir. Et c'est quand je suis venu à la sanctification que j'ai compris que c'est la vérité. Vous m'avez essayé un peu d'observer autour de vous. Comptez 10 femmes qui portent les robes que vous connaissez. Et examinez leur cœur au fond, avec leurs œuvres. C'est comment? C'est une victoire. Ça fait mal, hein? Alléluia. Quand on parle de sexe, on parle de que même les hommes, même les hommes, tu croises ton frère en route, il ne peut pas te dire bonjour. Même shalom. S'il fait mal le shalom, shalom. Il passe. Et quand il passe, il dit la bonne Dieu, quel là-bas. Alléluia, mais un véritable enfant de Dieu qui a l'amour, quand il veut la voir, il ne veut pas. Shalom, mon frère, papa, pourquoi moi, parce que t'as dit, shalom, mon frère, papa me laisse là pour mon côté planté. Quelques larmes me coulent après, c'est les marques qui étaient sur toi. Alléluia, les marques qui étaient sur Christ. Amen. Gloire à Jésus. Donc, nous allons continuer le point de format et on ne va pas tout faire. Alléluia, ce qui est important, c'est toi. Ce qui est important, si je prends tout le message pour courir comme un docteur, et que rien ne sort de ton cœur, tu n'as rien bénéficié. Amen. Mais si tu parles le message, le peu que j'ai fait, la sonne arrête. Mais il y a des gens maintenant qui vont arriver au quartier, le voisin va l'insulter. Il va comprendre quand je dis une sorte de chiffre à la joue, tu peux voir. Déjà que la chiffre fait mal là. Alléluia. Jésus n'a pas dit que si ton voisin a la joue, le voisin te chiffre. Tu vas se voir, tu m'as encore fou. Le givet là, c'est quoi? Si le voisin fait quelque chose qui est sujet à te fâcher, alléluia, toi, perds ce que tu as pour qui est la paix. Amen. Amen. Recherchez la paix. Amen. Aussi longtemps que cela dépend de vous qui est possible. Alléluia, par vous. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tout ce qu'on a décidé, c'est la parole. Hein. Si ça ne demeure pas, vous, comment vous allez le faire? Amen. Amen. Tout ce qu'on a c'est quoi? Quand je suis face à quelqu'un, quand il commence à être lui, la parole qui est dans mon cœur dit de chercher la paix avec tous. Tu as reçu le ministère de la réconciliation. Moi, j'ai reçu le ministère de la réconciliation en tant qu'enfant de Dieu. Ça veut dire que moi, je suis même plutôt aussi tous les gens qui lui font des problèmes. Et on est parti sur le frère, j'ai encore tous les gens qui ont arrêté leur patron. On est avec les gens qui sont sortis. Parce que là aussi, ils ont arrêté leur patron que notre argent va sortir aujourd'hui. Ça va sortir aujourd'hui. Je me suis souvenu quand moi j'étais encore patron aussi, les ouvriers me faisaient ça. On est parti, on a acheté le problème. Regarde, pose-moi si tu as mal. Comment tu vas, regarde, tu ne fais pas. On a dit ça en secret. Mais pas des gens, je suis regardé. Donc, vous avez aussi mal fait la vie de ta vie. Marc, on a porté quoi? On a dit le bon. Heureux ceux qui pour qui la paix, quand il sera appelé fils de Dieu. Il faut que cette parole demeure en vous. Mais si vous marchez, la seule parole qui demeure en vous, c'est pour moi là. Je suis étonné. Je vais te montrer que je vous les étonne. 5 minutes de folie. Ne pas m'abandonner chez l'église. Tout ce qui est dans toi, là, c'est ce qui vient, tu les étonnes. Ce qui vient du ciel, là, il y a rien en toi. Là, tu vois ma famille. On appelle ma famille des panthères. Des tantes. Donc, ne va pas parler sur le chrétien. Je vais te montrer. Moi, je suis un bassard. Tu connais pas ça. Les hommes. Qui mépriser et abandonner les hommes. Attends un peu. Méprisé, pasteur. On me méprise. Ça veut quoi? C'est ça qui prouve que tu es vraiment un fils de Dieu. J'ai cherché les marabouts, les pères d'exorcistes, pour aller l'exorciser contre son gré. Alléluia. Quand elle est arrivée là-bas, la parole de Dieu qui est en elle, elle a signé sur ça. Elle a dit que ici, là, on m'a amené pour tout mon gré. Elle a essayé d'escalader pour fuir avec un moyen. Amen. C'était quoi? C'était l'épreuve que l'Éternel a amené là-bas. Pour dire ma fille, je vais voir si l'arbre l'a produit, il y a les bornes. Amen. Arrivé là-bas, elle était tellement gentille avec le prêtre de la queue. Il dit de la vie, il dit au prêtre de la queue. Quand tu veux dire que tu es habillé là-bas, par la parole, tu ne devrais pas manger juste à quelqu'un. Quand tu veux dire que tu peux déshabiller là, ici là, tu as en train de me violer. Ce n'est pas moi qui me déshabille, c'est toi qui as en train de me. Elle dit ça, quand elle vient de dire, elle ne prend pas en adversion.
pour dire maudit, comment elle obéit. Non, non, non. Elle obéit parce qu'elle n'a pas possibilité. Elle est fermée. Ils ont pris les bougies. Ils ont mis les bougies sur elle. Les bougies coulaient sur elle. Quand ça coule, tac, ça la brûle. Elle fait comme ça, ça brûle les bougies plus encore. Les gars, il ne faut que faire les incantations pour que le démon, le Saint-Esprit, parce qu'ils voulaient chasser le Saint-Esprit sur elle. Mais là, il va dans le courant, il dit, Saint-Esprit, sort de ce corps. Amen. Amen. Ouais, le cas des hommes frères. Et quand ils font ça, la bougie, la bulle, qu'est-ce qu'elle dit dans son cœur? Elle dit, Seigneur, c'est à cause de toi que je souffre. Mais merci de m'avoir donné cette nourriture. Alléluia. Toi, si tu as souffert, si tu me permets de souffrir pour toi, souviens-toi seulement de mes enfants, Seigneur. C'est comme ça qu'elle vient dans son cœur. Nous, alors que tu es le frère, on n'a pas dormi. On a même voulu aller faire la guerre avec les boudins, mais partir par là avec la gendarmerie pour dire non, il faut qu'elle sorte, il faut qu'elle libère. Le Seigneur dit non, c'est pas vous allez faire. Alléluia. Quand tu l'as amené à Pibi, arrivé là-bas, avant même d'avoir son lac couvert avec le pain, ils ont donné un dernier produit. Que le produit là, qui est le démon en toi, qui est pas le démon en toi, quand ça t'étouffe, tu es obligé de parler même ce que tu vois dans les démons. Donc il fallait qu'il prenne son argent normalement. Quand il a allumé le produit, on a couvert la soeur. Ça a commencé à étouffer la soeur. La soeur n'a même pas poussé. Parce que dans le rideau, celui qui est en train de recevoir le produit, c'était le deuxième homme, Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Jésus recevait longtemps sa vie, Jésus. Il prenait ses souffrances à elle. Il voyait, il se dit, ma fille, je suis content de toi. Et quand on a levé le corps, il dit, mais t'as vu, voilà, tu es une sorcière. Tout ce qu'on fait là, tu n'obéis à rien. Tu es une sorcière. Confesse la sorcellerie. Alléluia. Finalement, ici non, c'est mon cadavre. J'ai obéi jusqu'ici. Maintenant là, je suis prêt à mourir. Alléluia. Amen. Elle va entrer dans l'eau. Et si elle va entrer, si elle est entrée dans l'eau, elle va donner son âme à qui? Au sirène des eaux. À Typhon, la bête de mer. C'était bon pour elle. Elle a dit ici, mon âme ne peut jamais aller chez Isabelle ou chez Typhon. Elle a signé. Finalement, on l'a porté sans la mettre dans l'eau. On l'a ramené. Quand on l'a ramené, les gars aussi, ils vont au pied dans la voiture, ils vont laisser le portail ouvert. Je vous assure, Dieu lui a donné les pieds de l'Ongunje. Elle l'a accéléré. Vous dites ici, Seigneur, merci. Elle pensait que c'était elle. Pourtant, c'est Dieu qui avait aveuglé l'œil pour la porte du portail de son ouvert. Amen. Amen. Et Dieu merci, quand nous sommes allés à la gendarmerie, elle a fait quelque chose pour ma marqué. Le gendarme dit que si on le fait, sa mère va aller en prison. Les membres de sa famille vont aller en prison et tout et tout. Elle a dit, je ne le fais pas parce que ma mère est en prison. Mais je ne le fais pas. Je peux laisser parce qu'ils sont ignorants. C'est qu'ils font, ils ne savent pas. Et moi, j'ai appuyé. Mais pas la parole. Elle est libre. Sa maman, ta mère t'appelle encore souvent. Alors que tous les jours, on l'appelait pour lui envoyer des mots dures. Amen. Mais aujourd'hui, on l'a abandonné. Donc, ma bien-aimée, il y a quelques étapes de la vie que ton cœur doit être secoué pour que les choses soient dedans sortent et que tu sois libre. Amen. Amen. On a 9 points, maintenant le troisième point, alléluia. Un jour, peut-être dans le forum, on vit toujours avec toi. Mépriser et abandonner les hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Homme de douleur habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous avons fait de lui aucun cas. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de notre douleur qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, pour toi, là, une petite humiliation qu'on a fait. Une petite quoi? Humiliation. T'as déjà pas abandonné la foi. T'as déjà fait raconter n'importe quoi. Quand Dieu veut consacrer son serviteur, il passe par les machines les plus dures. Amen. Si tu es chrétien, que ta part de persécution n'est pas dure, c'est que ta part de bénédiction aussi n'est jamais rien. Tu es ministre de Dieu et que ta part de persécution n'est pas dure, c'est que ton ministère est petit. Quand tu es serviteur de Dieu, tu vois que tes persécutions sont dures. Sache que ton ministère aussi est grand. Je peux dans le ministère du cœur, moi, pasteur David, pourquoi? C'est l'un des ministères que je donne le plus dans ma vie, le ministère du cœur. Et pour ceux qui me connaissent un peu, je suis quelqu'un de vraiment aussi avec des sans habitudes, comme tout le monde. Alléluia. Mais ma plus grande chose, c'est le cœur de David.
Amen. Tant que quand le cœur de Dieu, il sait reconnaître rapidement ses fautes et ses torts, il sait demander pardon. Alléluia. Le cœur d'un enfant de Dieu véritable, c'est un cœur qui demande pardon quand il n'a rien fait. Regardez, quand nous allons soit en prière, quand tu confesses vos péchés, est-ce que tout ce que nous confessons quand on a le péché, c'est ce qu'on a souvent fait? Papa, tu parles de ce sujet, Seigneur, pardonne-moi pour l'homosexualité, pardonne-moi pour le mensonge. Papa, si Dieu même vient dire ma vie, tu as menti quand toi, tu vas dire, je ne sais même pas quand j'ai menti. Tu confesses quand même, alléluia. C'est pas vrai, mais Dieu. C'est la vérité, non? Donc, c'est Dieu nous apprend cette façon de faire auprès de lui. Tu dis que quand j'allais pour cela, Seigneur, pardonne-moi pour ceci, pardonne-moi pour cela, pardonne. Pourtant, tu n'as même pas fait tout ce que tu demandes pardon là. Amen. Et Dieu nous enseigne par là que quoi? Même nos bien-aimés, nos frères, nos voisins, nos quartiers que nous avons, nous devons apprendre à les demander pardon même quand nous n'avons rien fait. Pour qui est la paix? Amen. Pour qui est quoi? La paix. La paix. Gloire à Jésus. T'es le message de Dieu comme les deux comme ça là. Que ta maman se déshabille, prend les fesses et met deux doigts, tu lèves, voilà les fesses. Tu vas subir toute ta vie. Quand tu peux saluer ta mère un jour. Les petites persécutions que tu avais là, ça juste un peu. Si tu es comme un garçon de près de 25 ans, et ma maman qui est un peu là, me sort le coup de poing, frère. Bam, l'œil sort. Je vois que mon œil, l'œil sort, ça rougit. Ça fait des années, vous, dans la tâche jusqu'au lundi là. Il y a des petits symboles sur ça, mais ce n'est que par la grâce de Dieu que je vois. Alléluia. Tu aurais soit abandonné la foi, soit maudit ta maman. Mais j'ai compris que si je maudis ma mère, c'est que c'est toutes les générations de ma mère que je maudis. Et moi, je l'attends que je dis ma mère, je maudis. J'ai plutôt béni pour que ma bénédiction soit là. Alléluia. Amen. Donc c'est ça, quand ta persécution est grande, ton ministère aussi est grand. Quand ta persécution est grande, ta bénédiction aussi est comment? Amen. Ceux qui refusent les persécutions, il y a des gens ici qui ont cru. Depuis qu'ils ont cru, ils n'ont jamais dit à sa maman que maman là, tu vois, les mèches là, c'est pas bien. Ta mère, tu vas dire à ta mère, les mèches sont pas bien. Elle va t'enchaîner, elle va t'amener en cellule. Alléluia. Amen. Il y a des gens ici depuis qu'ils ont cru, ils n'ont jamais dit à son père, à sa mère que les crânes qui sont au village là. Moi, je parle là-bas, les enterrer tous. C'est là que tu parles, la persécution commence le même jour. Dès que je vais enterrer les crânes, ce n'est pas une bonne chose. Les morts méritent d'avoir les tombes pour se reposer, vrai ou faux? Jésus lui-même a eu une tombe. Ces gens-là souffrent, les démons les font souffrir. Ils sont en enfer, ils souffrent parce que les crânes sont encore dehors. Alors, il faut les donner un repos pour se reposer aussi. Amen. Si vraiment il y a le repos pour les morts. Mais nous savons qu'il n'y a pas le repos. Laisse-le pour les suivre. Alléluia. Alors tous les grands qui sont dans ta famille, il est important que tu ailles là-bas, même si c'est la nuit. Alléluia. Tu creuses derrière, tu les enterres tous. Quand tu finis d'enterrer, tu sors du village, en montant dans le cou, tu chantes de bas, de tchang, jusqu'à Douala en chantant. Le matin, vous allez vous constater que les dégâts sont passés. On va directement dire, c'est la fille là, elle a entré dans des choses qu'on ne comprend pas. Ta persécution à ce moment-là. Alléluia. Amen. Parce que ton cœur est comment? Bon. Amen. Si ton cœur est bon, que tu penses même au mort. Gloire à Jésus. Amen. Mais tu es là. Quand on t'appelle même au village, on dit, est-ce que tu sais qu'il y a le funérail du grand père de Dieu? Tu as même honte de dire que moi, je ne fais plus le funérail. C'est là que tu trouves moyen pour mentir. La plus que le funérail là, moi, je serai en chantier au nord. Pourtant, tu as Douala. Tu as Yaoundé. Mais c'est dire à ta famille que moi là, mon argent, mes pieds ne mettons plus jamais là-bas au funérail. Appelez-moi pour les maladies, je vais vous aider. Appelez-moi pour autre chose, je vais vous aider. Mais si c'est les funérailles, alléluia, mon pied là, parce que dans mon cœur, je n'adore pas les idoles, je ne mettrai jamais plus pied là, pendant bien au nom de Jésus. À l'instant où tu as dit, non, bien, c'est l'instant aussi où ton grand frère, ta grande sœur, ta mère a déclaré la guerre avec toi. Yes. Elle va arriver chez toi, devant tous tes voisins, tu t'es insulté au quartier. La sorcellerie des églises. Il y a les églises dehors. Maman, regarde ta femme. Elle porte dans les habits de vieille maman. J'ai accouché pour rien, venez me sauver. J'ai accouché pour rien, venez me sauver au carrefour. C'est la honte là qui te fait. Que tu ne peux pas dire à ta mère, maman là, tu vois là. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout désinculé. Toujours tout droit désinculé. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur.
jusqu'à ce qu'elle est libérée sur la terre. On attend très fort. Alléluia. Maman, donc elle est libérée. Quand vous allez là-dedans, on va vous dire là-bas que. Vous êtes encore parti là-bas. On va vous. Nous. C'est le temps de dire les frères. Nous là. On a décidé de suivre Jésus. On a décidé de suivre Jésus. On a décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit. Alléluia. L'évangile libère. Amen. Regardez comment tous les visages sont souriants. Tous les visages sont comment? Parce que ma tête est un peu difficile. Gloire à Jésus. Amen. Qui va encore bénir ce dimanche prochain? Et c'est tout le monde. On est très fort pour le Seigneur. Alléluia. Amen. L'évangile n'est pas quelque chose dont tu partiras à l'église. Tu commences à te ramener. Si le bishop passe à côté de toi, tu as peur, tu vas dire que tu es là. Amen. Jésus nourrit 7000 personnes qui ne connaissent pas. Alléluia. 7000 personnes qui ne connaissent pas. Les bons mots, les méchants mots, les voleurs mots, les prostituées, il les nourrit. Nous qui sommes des enfants, il nous donne son peuple que lui Jésus connaît. Nous maintenant, on devient leur bourreau. On commence à l'être. Quand quelqu'un se lève le matin, parce qu'il va là à l'église. Oui. Hein? Qui se lève le matin, parce qu'il va là à l'église. Il dit si c'est le dimanche, on peut supprimer les dimanches dans le calendrier de Dieu. Amen. Amen. Pour que je vive un peu. Amen. Soyez en paix, gloire à Jésus. Soyez en paix, gloire à Jésus. Soyez en paix, gloire à Jésus. Homme de Dieu, ok, c'est bon, on va le faire. On va faire tout le cinéma, la suite, sur le four. On a aussi un problème avec vous. On veut bien enseigner dans le four. Moi, j'avais commencé les prières matinales à l'école. Mais je me suis rendu compte que personne ne suit. Personne ne suit. Et il va venir tous les jours. Sur le forum, commencer à parler pour rien tous les jours, mon frère. Oui, j'ai fait ça pendant quelques jours pour la persévérance. Moi, on n'a vu personne. Après, on se plaint que nous, les autres, nous avons dit qu'il n'y a pas d'enseignement. C'est pas qu'il n'y a pas d'enseignement. C'est juste parce qu'il y a des suivis. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il y a quelqu'un qui avait quelque chose dans son cœur. Alléluia. Et ça le chagrinait beaucoup. Et quand il a attendu cet enseignement, il a été libéré. Est-ce que tu peux lever ta main? Amen. Amen. Et si tu me trouves au ciel, je vais t'accueillir. Donc là, le Seigneur a fait. Moi, j'ai aucun problème avec toi. Amen. Ne partez pas discuter avec ça. Amen. Regardez, quand vous allez à Facebook, moi, au départ, on a voulu commencer ça. Le Seigneur nous a accueilli. Passez, j'en ai moi. Maintenant, ma vie, foutu. Amen. Ça nous tue. C'était les calomnies. Les calomnies, les mêmes gens qui ont mangé le pain, disent qu'ils chassent les démons avec les élus, alors qu'ils ont le pain miraculeux dans leurs mains. Et dans leurs mains. Alléluia. Ne soyez pas comme ça. Amen. Aimez Jésus de tout votre cœur. Aimez Jésus de tout votre cœur. Apprenez à pardonner. Si quelqu'un manque de pardon, s'il y a quelqu'un ici là, qu'on a fait du mal, il a senti que vraiment il a voulu pardonner. Mais si tu dis au mal là, je viens, il lève sa main, on va prier, on va prier, on va prier, on va prier que cette chose soit dans ton cœur. Alléluia. S'il y a quelqu'un là, tu l'as. Donc tellement qu'il a eu mal que. Il essaie de pardonner, mais ça ne va pas. Il y a déjà un démon qui s'assied là-bas. Il a besoin qu'on le fasse. Amen. Toi aussi, bien-aimé, avance. Toi aussi, avance, on va prier pour toi. Alléluia. Amen. La rancune est un mauvais démon. Très mauvais. Qui détruit les vies. Alléluia. Tu vas aller lever les mains.
Seigneur, nous demandons pardon. Non, non. Ok, c'est ça. Ok. Seigneur, nous demandons pardon. Parce que ta parole a parlé dans nos cœurs plusieurs fois, mais nous n'avons pas ouvert le cœur. Mais aujourd'hui, notre cœur a été ouvert par miracle et nous voulons pardonner et à retirer de nos cœurs cette personne qu'on avait rendu prisonnier. Et nous-mêmes, nous avons fini par être prisonniers. Maintenant, Seigneur, je commande à cette personne de sortir de mon cœur. De sortir de mon cœur. Sors de mon cœur. Avec force. Sors de mon cœur. Sors de mon cœur. Sors de mon cœur. Je te libère. Je ne te porte plus en rancune. Parce que mon cœur est la maison de Dieu. Mon cœur est le ciel de ma vie. Je déclare maintenant toute rancune et toute méchanceté que tu avais déposée dans mon cœur. Sors! Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toi démon de rancune et de la colère, nous venons maintenant devant toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. T'es déclaré que tu n'as plus de flac dans la vie de ses serviteurs. Tu n'as plus de flac dans la vie de ses servantes. Maintenant, au nom de Jésus, tu sors. Tu l'as libéré. Maintenant, j'enlèverai votre cœur insensible. J'enlèverai votre cœur insensible comme une pierre. Le cœur de pierre. Et je le remplacerai et le remplacera par un cœur réceptif. Un cœur réceptif.
Je mettrai en vous mon esprit. Je vous son esprit. Je vous rendrai ainsi capable, capable d'obéir à mes lois, d'obéir et de pratiquer, d'observer et de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. Alors vous pourrez habiter. Alors elle habite maintenant dans le pays, que j'ai donné à vos ancêtres. Que le donné à nos ancêtres. Vous serez mon peuple. Elle est le peuple de Dieu. Et je serai votre Dieu. Et le Seigneur est votre Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu n'as plus rien à faire dans sa vie maintenant. Tu es libéré, tu sors. Maintenant, toi, esprit de la colère. Maintenant, nous arrachons tes tentacules. Nous arrachons tes tentacules. La miséricorde, oui au nom de Jésus, plantons dans son cœur l'arbre de la paix, On s'assoit rapidement tous ensemble, amen. Oh, alléluia, on s'assoit tous ensemble. Nous allons prendre rapidement. Thank you.
La dîme en réalité, elle est l'ouvre de tous les cieux. Vous qui est pas? Vraiment, ça va être conséquent. Hein? Amen. Elle ouvre les cieux de Jésus. Vous qui est quoi? Maintenant, il faut que ça trouve le sol à quoi? Il y a des semences. Alléluia. Maintenant, la semence, c'est mon offrande volontaire. Alléluia. Que j'apporte. Si maintenant, mon offrande aussi est un tchotchoro truc, et la grande pluie de ma dîme est tombée. Le côté m'a une fille de ma cabane. Alléluia. Lorsque le frère aussi maintenant ressent, j'attends quelque chose de ma pluie qui va venir. Amen. Ça va arroser. Donc, de l'avant, quand vous venez payer votre dîme, arrangez-vous à payer votre frère. C'est important. Alléluia. Ne payez pas seulement la dîme sans payer nos frères. Alléluia. Gloire à Jésus. Payez aussi nos frères. C'est ça qui va faire que vous allez sortir en qualité de la loi. Quand tu viens payer ta dîme, tu la fais aussi délibérément. Tu n'es pas obligé de la payer. Tu la fais comment? Délibérément. Maintenant, payer par emploi ta dîme en ajoutant ton offrande, tu as dépassé le 10% pour du mal. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Mais pour un office, il va commencer à jeter ici là et jeter là-bas 10%. Mais quand il va s'en rendre compte qu'il a envie de grimper, il va augmenter ici là plus de 10%. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Là, lui, à la loi, il y a aussi pas la condamnation. Amen. Alors, si tu sors de la loi, nous disons que nous ne prenons pas la dîme sous la loi, nous prenons la dîme sous la grâce, ça veut dire que quoi? Avec libéralité, donc nous sommes libres pour nous payer. Donc c'est quoi nous aussi faire notre part. Donc on veut que tu vas finir. Parce que moi, éternel Dieu Tout-Puissant, on attend aussi de toi. Nous rendons grâce au Fils de Dieu. Ce que tu lui as donné, tu l'as béni, tu l'as apporté à ta maison. Je prie maintenant au Dieu Tout-Puissant, afin que dans la vie de chacun de tes enfants, tes serviteurs, tes servantes, ceux-là qui sont fidèles dans leur dîme, fidèles dans leur offrande, Père, que tu ouvres dessus d'eux les écluses des cieux, afin que tu envoies selon ta parole, ta promesse, toi, ô Dieu qui es fidèle, que tu relâches sur chacun de nous ici, chacun de tes enfants, tes dons, ô Dieu, tes grâces en abondance, les fruits de la terre, Père. Maintenant, je menace maintenant le dévoreur dans la vie des enfants, ceux-là qui sont fidèles dans leur dîme. Dans leur vie, je viens le dévoreur, le gelet, le gazam dans leur vie, qui relâche les bénédictions au Tout-Puissant. Que tes bénédictions d'abondance retombent sur tes enfants et que les églises des cieux demeurent ouvertes sur leur tête, afin qu'ils continuent, ô Dieu, de te bénir davantage, ainsi de reconnaissance avec libéralité, Père. Maintenant, fructifie maintenant l'œuvre de leurs mains, pour que tout ce que leurs mains toucheront, Père, porte du fruit en abondance, afin qu'eux également soient dans la joie. En Jésus-Christ, Père, et qu'ils sachent que Dieu est fidèle et qu'ils soient aussi fidèles à leur dîme et leur offrande. Pour la gloire de ton nom, nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 À la grande Dieu. Alléluia. Amen. Donc, bien, nous avons avancé la primation, nous comprenons la tête de nos ennemis. Amen. Amen. Gloire à Jésus.
Amen. Amen. Donc maintenant, là, nous allons tous ensemble, alléluia, nous allons nous lever, nous allons dire merci au Seigneur pour cette salle qu'il nous a accordée. Amen. Amen. Lui dire merci pour cette salle. Alors, lui dire que tu bénisses aussi les personnes qui nous ont accordé cette salle. Alléluia. Qui les bénissent et qui ne manquent jamais de quelque chose. S'ils étaient malades, qu'ils guérissent au nom puissant de Jésus. Et nous avons aussi maintenant, pendant que nous allons nous lever, contre tout esprit impur, amen, qui peut être assigné à cet endroit. Donc, l'homme de Dieu, l'évangéliste Samson va donner 3-4 sujets de prière que nous allons suivre dans cette rubrique. Alléluia, nous allons remercier après le remerciement. Nous allons prier pour ces gens, après avoir prié pour ces gens. Nous allons maintenant aussi chasser l'ennemi qui va empêcher que nous puissions nous voir bien ici. Après cela, nous allons déclarer que ce lieu a compté aujourd'hui est le lieu où nous viendrons adorer l'Éternel des armées, le roi des rois. Merci Seigneur, nom de Dieu, c'est pas si dirige nous. Amen. Amen. Nous allons remercier ces personnes, les bien-aimés qui nous ont donné ensemble. Nous allons remercier les personnes qui nous ont permis d'avoir les chaises. Amen. Amen. Et toutes ces personnes qui œuvrent dans le secret. Amen. Amen. Nous sommes en prière. Il y a un Dieu de puissance, un Dieu de bénissance pour cette famille. Mon Dieu, par qui tu es passé, par laquelle tu es passé, afin que leur homme d'appui, la journée, pour te louer, pour te louer, pour te louer, sur cette famille, Père, pour que tu laisses les portes ouvertes, les portes financières, pour bénir cette famille, Père, et ta main puissante, tu veux rester dans cette famille. Amen.
Amen. On s'assoit, on va aller la source de l'église rapidement. Alléluia. Je vous remercie tout le temps. Parce que nous parce que là, les doigts là, les rentrés, il y a des gens qui vont à l'école demain. Amen. Gloire à Jésus. Donc, nous allons aller lancer Jésus rapidement. Nous allons vous présenter les serviteurs de Dieu, alléluia, qui vont travailler avec vous ici à Douala. Amen. À Yaoundé. Nous voulons que vous ayez beaucoup de considération pour eux. Alléluia. Vous les prenez comme vos papas. Amen. Je veux vous rassurer. Les blessures que vous avez dans le passé. Amen. Ils ne vous donneront pas cette blessure-là. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ils seront les papas pour vous. Amen. Et comme moi, par exemple, comme à la cour David, j'ai toujours appelé, j'appelle cette maman. Quand c'est ce matin, je dis maman. Je m'appelle une maman. Alléluia. Amen. 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 C'est la maman pour moi. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Si tu veux la montrer, si tu passes David, la cour David, si tu l'as dit, maman, ça va aller où? Ça va aller où? Vous savez, j'aime mes frères de l'Ouest. Le frère de l'Ouest, quand il veut prendre ton petit élan là comme ça, là, il ne fait que dire, oh papa, il t'appelle mon père. Tu vois ton grand-père, oh mon père, mon père, mon père. Le mot père là te touche le cœur, tu peux me donner, donner. Là, tu vois, tu peux ouvrir les yeux. Aïe! La tombe. Amen. Aïe. Tu veux aussi avoir la sagesse, alléluia. Allez, tu m'as dit, on nous enseigne. Amen. Celui qui, on dit, celui qui veut la paix, fait quoi? C'est la baisse. Amen. Amen. Donc, serviteur de Dieu, vous qui allez vous aider, va présenter. Ce n'est pas une ordination, alléluia. Les ordinations viendront plus tard. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Mm. Donc, on va les présenter, ils vont travailler. Amen. Mm. Et de leur travail maintenant, ils ont les appels véritablement. Mais s'ils sont sérieux dans leur appel, le moment des ordinations, on va les regarder. Mais s'ils ne sont pas sérieux, Dieu va susciter d'autres personnes. Amen. Mm. On va établir. Ils ont l'appel de Dieu, c'est vrai. Mais il faut qu'ils soient sérieux. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, sans plus tarder, nous avons d'abord deux serviteurs de Dieu déjà qui sont, eux qui sont ordonnés. Alléluia. Donc, ils sont ordonnés par la grâce du Seigneur, tu as voulu qu'ils soient ordonnés. Alléluia. Nous devons présenter l'évangéliste Samson. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, l'évangéliste Samson, amen. Sera le leader ici à l'église de Yaoundé. Pas seulement l'église de Yaoundé, alléluia, et aussi au centre. Donc il travaille avec l'équipe, toute l'équipe qui sera ici travaille à Yaoundé et au centre. Amen. Amen. Et maintenant, nous sommes aussi appelés à travailler dans tout le Cameroun. Amen. Amen. Si on va au nord, on peut appeler Abraham Paul, on peut appeler Dr. Marc, selon le besoin que nous avons, selon les difficultés de tout un chacun pour partir. On peut aussi appeler d'autres frères qui ne seront peut-être pas appelés aujourd'hui. Alléluia, qui sont pas présentés aujourd'hui. Donc le maïs Samson sera comme le papa de tout le monde ici. Alléluia. C'est lui qui est comme le leader. Il sera secondé, alléluia, oui, par le prophète Abraham Paul. Alléluia. Alléluia. Abraham Paul, c'est le cœur avec un grand cœur. Alléluia. Qui sait porter les peines des autres. C'est quelqu'un sur qui tu peux te confier. Quand tu te confies chez lui, vraiment, il va te porter quand même. Il va te porter réellement. Alléluia. Ils sont jeunes. Beaucoup d'entre eux sont jeunes. Vous devez aussi savoir, vous les mamans, vous les papas, vous qui êtes là. Amen. Vous devez aussi les conseiller. Même moi, pasteur, même moi, frère David, vous devez aussi me conseiller. Je n'ai pas le conseiller. Amen. Amen. Maintenant, les conseillers, n'allez pas les conseiller comme si c'était vos enfants. Avec beaucoup de sagesse et. Amen. Amen. Alléluia. Eux, ils sont déjà ordonnés. Alléluia. Donc dans la suite des temps, on va ordonner d'autres serviteurs. Ça ne va pas durer. Alléluia. Peut-être avant l'arrivée de l'apôtre Abraham ou avec l'arrivée de l'apôtre Abraham et l'équipe de Jésus revient. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Selon ce Seigneur qui demande, ce Seigneur demande. Donc après cela, nous allons appeler le serviteur proposé. Amen. C'est un serviteur, mais il est proposé et il va travailler. Tout ça, c'est rond. Tout ce qu'on va appeler, ils vont s'asseoir ici pour travailler. On va appeler le prophète Apollos aussi. Alléluia. Amen. Lui, c'est une gazelle. Il résout les problèmes le plus vite possible. Il n'aime pas son problème d'or. Amen. Quand son problème va arriver, il doit le résoudre. Là, là, là. Son problème ne dort pas. Amen. Amen. Donc on appelle le chirurgien. Ça veut dire quand ton cas est grave, intervention rapide, il opère vite, vite. Amen. Amen. Donc c'est les urgences. Amen. Quand il y a urgence,
service d'urgence. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Nous allons aussi appeler et le proposer le docteur Marc. Amen. Amen. Donc, docteur Marc, c'est quelqu'un qui ne bavarde pas trop. Mais quand il nous a beaucoup parlé, beaucoup de sagesse en découle dedans. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humilité. Moi, j'ai vu des familles que si le petit est toujours devant, le grand, il va chercher à gâter. Mais docteur Marc, lui, il a toujours même porté son petit. Il a courage. Quand le chapeau du bois, il a peine. Et quand il a peine, il a beaucoup de respect envers lui. Et parfois, comme notre vaillant, il va essayer de lui parler un peu plus dur. Et lui, il va être calme. Je vais dire, ah Seigneur, tu donnes le cœur aux gens. Alléluia. Amen. Donc, vous allez vous confier à tous ces serviteurs. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais comment on peut aussi travailler sans un papa? Amen. Amen. Sans un papa. Alléluia. Amen. Celui que même si c'est un minute, tu vas l'appeler, il va arriver chez toi. Celui qui prie pour toi, là, le pasteur proposé, alléluia, amen. Nous allons appeler le serviteur Étienne. Seigneur, pour ça, il va vous dire quelque chose. Il a beaucoup de qualités. Beaucoup. C'est un signeur. On l'appelle chef signeur. Amen. Lui là, il signe, même quand les gens disent que ça va être bon. Lui là, il est patient. Tellement patient. Et quand il ouvre sa bouche, c'est pour dire des choses qui édifient. Amen. Amen. Donc, gloire à Jésus. Amen. Et nous avons aussi d'autres serviteurs, car à l'ombre, le Seigneur va aussi appeler. Alléluia. Oui, mais ce sont des serviteurs de Dieu, mais le Seigneur ne nous a pas encore dit dans quoi il les appelle, soit le prophète, soit le ceci, voilà pourquoi on ne peut pas. Donc, vous savez, l'appeler au temps marqué et à l'œuvre à laquelle il les a appelés. Nous allons appeler le serviteur, nous allons demander au serviteur Jean de s'élever. Gloire à Jésus. Amen. C'est aussi un appelé, alléluia. Oui, donc le temps que le Seigneur en fasse le travail avec lui, amen. Donc, il va aussi travailler avec vous. Vous pouvez aussi soumettre vos problèmes, vos sujets de prière. C'est un prieur pour la prière, c'est un prieur. Donc, quand vous avez votre sujet de prière chez lui, c'est un véritable intercesseur. Il va prier. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Nous allons mettre ensemble de Dieu. Nous allons appeler tout le peuple. Nous allons mettre comme ceci. Nous allons appeler tout le peuple à tendre la main vers vous. Alléluia. Et à prier, à demander à Dieu de vous donner beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence, beaucoup de patience. Que les erreurs qu'on a faites hier, qu'on les commette ici aujourd'hui, que l'œuvre de Dieu s'asseye et l'œuvre de Dieu est entre vos mains. Donc, bien, nous sommes debout tous ensemble, nous prions la même temps, tu es les serviteurs. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, papa. Nous tendons la main vers tes serviteurs, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, papa. Afin que ta main de grâce soit sur eux, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Père éternel, que tu as adouci leur cœur, Seigneur éternel, mon Dieu. Que tu leur donnes de se rabaisser, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Afin de nettoyer ce troupeau. Afin de nettoyer ce troupeau. Père éternel, mon Dieu, d'avoir beaucoup d'humilité, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Que tu les remplis de beaucoup d'humilité, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Et nous les donnons de compassion, afin de prendre soin de ton troupeau, Seigneur, sur lequel tu les as établis. Afin de te prions, nous te supplions, Seigneur éternel, mon Dieu. Afin que tu le fasses, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, papa, Seigneur. Papa, agis, Seigneur éternel, mon Dieu, révèle l'autorité. Nous te supplions, Seigneur, d'agir, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, papa, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, papa, merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus. Amen. La photo, faites-la une photo rapidement. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Abraham Paul. Prophète. Alléluia.
Mais comme vous êtes nerveux comme ça, vous pouvez. Jésus, Ils vont prier, ils vont vous consoler. Amen. Alléluia. Pardon, soin de vous. Amen. Jésus. Amen. Alléluia. Il ne dit pas l'enfant du pasteur qui était resté à moi. Je suis au nom de Jésus. Mais il fallait que je ne coupe pas parce que j'ai encore, mais j'ai tout pris une fois. Fais un dépôt. Alléluia. Amen. Voilà, qui a séance, nous continuons rapidement. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aussi. Alléluia. Nous allons aussi. Nous allons appeler maman. C'est maman qui est là. Maman Priscille. Alléluia. Maman Priscille, lève-toi. Gloire à Jésus. Maman Priscille, le Seigneur veut que tu assumes le rôle. Alléluia. Tu es proposé diaconesse. Alléluia. Tu vas travailler à la porte là-bas. Amen. Tu vas travailler où? À la porte. Amen. Pour payer sur les gens quand ils viennent au culte. Tu vas les traiter avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de politesse. Tu vas les rassurer quand ils sont pas, c'est là, tu vas veiller sur eux. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons aussi appeler Maman Sarah. Alléluia. Maman Sarah. Toi aussi tu as proposé diaconesse, alléluia. Amen. Vous travaillez pour qu'elle ait la propriété dans la maison de l'Éternel. Vous veillez pour qu'elle ait la propriété dans la maison de à tous les niveaux. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donc maintenant, tout le monde fait partie de l'équipe d'intercession de l'Église. Tout le monde, alléluia. Les femmes des serviteurs, les proposées femmes des serviteurs, parce que le vrai Samson, il a arrêté avec la soeur d'Igaël le temps d'arranger son mariage. Amen. Apollos aussi a arrêté avec la sœur le temps d'arranger leur mariage. Gloire à Jésus. Donc nous devons aussi prier pour que Dieu les bénisse. Amen. Pour que tous les moyens pas doter leurs femmes. Amen. Pour qu'ils soient totalement libres de retourner vers leurs femmes normalement. Vous comprenez, parle en anglais. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc les femmes des serviteurs. Amen. Vous êtes des conseillères. Quand les femmes ont des problèmes. Amen. Amen. Quand les femmes ont des problèmes, elles vont vous appeler. Parce que vous êtes auprès des serviteurs. Par exemple, je disais ce matin aux serviteurs que vous n'avez pas le droit d'aller vers les serviteurs et leur dire que là, tu vois, je n'ai pas vu mes menstrues, ça fait comme ça. Non. Vous appelez les femmes des serviteurs, vous leur posez les problèmes. Alléluia. Et c'est Jacques. Amen. Amen. Vous les connaissez déjà. Eux, ils vont maintenant faire quoi? Si elles ont des problèmes, elles vont aller vers leur mari qui va les donner des conseils. Et les conseils, ils vont vous apporter ces conseils. Alléluia. Amen. Donc, lève-toi, sœur Abigail. Amen. Avec la sœur Marie. Amen. Donc, vous pouvez leur poser vos problèmes d'ordre et ils vont poser à leur mari. Ils vont aussi vous conseiller. Vous aussi, vous devez étudier la parole de Dieu. Parce que les gens vont vous appeler, vous devez les conseiller. Surtout les femmes, vous devez les conseiller. Vous voyez que Maman Sarah fait là-bas à Côte d'Ivoire avec les femmes. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse. Asseyons-nous. Nous allons vous présenter une sœur qui vient d'arriver. Elle est très utile pour le corps de Christ, pas seulement au Cameroun, à travers le corps de Christ globalement. Alléluia. Oui, on va faire ce qu'on va faire. On va t'amener très fort pour le Seigneur. Alléluia. Voilà la sœur Victoire. Amen. Elle était au Liban. Elle a fait 7 ans pour ça. Elle a fait 7 ans au Liban. Donc elle est rentrée. Elle ne connaît plus le pays. Donc vous devez l'accueillir avec les bons boulets, bons guignons d'or, vous devez lui montrer encore le pays. 7 ans dehors, ce n'est pas facile. La plante de ma père, elle ne connaît même plus pas le pays.
Parce que vous voulez moi le prier, elle a tourné, tout le monde n'a pas joué avec lui. Amen. Donc, la sœur Victoire est là au milieu de vous. C'est une servante de l'Éternel très dévouée. Amen. Avec beaucoup de sagesse. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donc, elle est là. Elle aussi travaille auprès des serviteurs. Alléluia. Amen. Quand je dis travaille auprès des serviteurs, ça veut dire qu'elle est très proche aussi des serviteurs. À peu près comme les diaconais aussi. Alléluia. Oui, donc elle va. Elle sera là de temps en temps pour apporter les conseils, des choses. C'est un vase aussi, c'est un vase que le Seigneur utilise. Alléluia. Si vous êtes un jour, elle tombe en prophétie, ne dites pas que ça a commencé quand. Alléluia. C'est un vase que le Seigneur utilise. Amen. Mais vous allez examiner toutes les prophéties, que ça sorte de ma propre fille ou de ma propre femme, vous examinez. Alléluia. Je ne les prenais pas n'importe comment. C'est très bien. Alléluia. Nous allons aussi, puisque nous présentons les gens, c'est pour que les gens puissent les connaître aussi et savoir que si j'ai un souci, je peux aller vers elle. Nous allons aussi appeler la sœur Sarah. Alléluia. Sœur Sarah. Amen. Dieu vous a libéré. N'ayez pas peur. Tout ce qu'on vous dit. Il dit quand il dit ce que les hommes disent, c'est pas ce que moi l'Éternel j'ai dit. Amen. Alléluia. Amen. Les hommes même ont ta vie en enfer. Et ils n'ont que les yeux pour voir l'enfer. Nous on voit le ciel. Alléluia. Alléluia. Amen. On voit le ciel. Amen. Même les patrons, ils n'ont jamais vu leurs patrons au ciel. Ils ne voient que les gens en enfer. Amen. Amen. Nous on voit le ciel. Gloire à Jésus. Amen. Tous ceux qui viennent de voir des prophéties, de ceci, connaissez votre relation avec Dieu. Amen. Moi, je connais ma relation avec Dieu. Ceux qui viennent me dire, pasteur David, j'ai vu, avec les rouges, tu traînais, tu faisais ceci, tu faisais cela. Je te dis, ma soeur, pourquoi toi-même, tu viens, mon frère, pourquoi toi-même, tu ne te vois pas toi-même? Il faut aussi te voir toi-même, non? Tu penses que ta condition, là, ça me plaît de te voir aussi comme ça, mais toi-même, tu es content de ça. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu n'est pas là pour voir les gens, pour voir. Dieu est là pour transformer les vies. Amen. Du pécheur à quoi? À un homme juste. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est tout. Donc voilà, la sœur, ça va faire les efforts. Elle a quitté l'église catholique. Venir, toi, elle a cherché son Dieu partout, partout. Amen. Amen. Elle va donner son Dieu librement. Alléluia. Que Dieu la bénisse. Amen. C'est une femme remplie aussi de beaucoup de sagesse. Elle m'en va pas tous. Amen. Alléluia. Amen. Mais parfois, quand elle veut parler, c'est comme si elle a honte. Mais quand elle parle, elle dit quand même quelque chose. Amen. C'est très important. Le serviteur de Dieu, elle pourra vous être utile. Alléluia. Amen. Elle pourra vous être utile. Elle observe beaucoup. Parfois, elle va lui dire, non, je vais faire quelque chose. Ne dites pas que non, tu es une femme. À la fin, on n'apprend pas la parole. Dis-lui, on a compris. Continue à prier. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Gloire à Jésus. Tu peux t'asseoir, ma soeur bien-aimée. On attend très fort le Seigneur. Gloire à Jésus, je vais vous présenter d'abord encore quelques hommes de Dieu. Alléluia. Je vous présente le pasteur Jean. Comme Dieu vous m'assoit. Je vous présente mon collaborateur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est lui quand on est compliqué dans les forums, les trucs qu'on a dans les forums. C'est lui. Quand vous voyez quelqu'un sortir dans le forum, blâmer là, c'est lui. Qui a mis ça? Allez! C'est lui là-bas. Alléluia. Amen. Pasteur Jean. Gloire à Jésus. Pasteur, un vrai papa. Avec un suiveur des brebis. Gloire à Jésus. Que le Seigneur bénisse. On attend très fort le Seigneur. Nous allons aussi présenter encore tous les serviteurs qui sont venus de voilà. Alléluia. Nous allons planter aussi le proposé. Jephté, alléluia. Amen. Nous vous allons le proposer, Jephté. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons vous présenter aussi un autre bien-aimé. Lui, il est arrivé. Il a mis tout ça en pratique. Et quand il a ramené la femme, nous connaissons tous la femme, la Rebecca. Alléluia. Il y a même une chanson sur Rebecca au temps. Alléluia. Dieu dit que c'est son sang. Alléluia. Amen. Donc nous voulons que
que Dieu nous donne des hommes comme Élisée. Je vous assure, il a même convaincu son grand frère qui avait 25 ans à la fois et qui le rejette depuis la jamais cité. Son grand frère, il avait dit à son grand frère, toi tu marches même pas. La sainte doctrine. Son grand frère, toi tu peux même tuer quoi. Quand il respire la sainte doctrine, il dit à son grand frère, son plus nombreux, les démons vont se manifester. Quand on a prié comme ça pour son grand frère, pour les démons. Son grand frère dit non, mon petit, l'endroit où tu es là, c'est là-bas que je suis. Amen. Alléluia. Amen. Son frère me l'appelle papa. Alors qu'il a 25 ans à la fois. Quand son grand frère a besoin d'un conseil, c'est celui qui vient prendre, c'est lui qui a donné la vie pour son grand frère. Après 25 ans, il dit dans l'âge. Gloire à Jésus. Est-ce que la sainte doctrine peut faire? Alléluia. Donc c'est le frère Élisée. C'est quelqu'un qui peut se vous dire quelque chose. Si ton mari te tape, ne prends plus ton mari te persécute pas pour l'évangile. Calme-toi. Quand on va prendre le témoin de Jésus, on va mettre ça sur les réseaux, vous allez écouter. Élisée a menacé sa femme. Tapez sa femme que tu parles dans telle église, qui la sorcellerie. Fais tout. Que nous, on avait peur de lui. Quand la sœur parlait, on est naturel. Amen. Mais on a donné des conseils à la sœur. Change de comportement. Ne vole pas ton mari. Ne suis pas ton mari. Sois posé. Donne-lui la chaleur. Alléluia. Donc on a donné tous ces conseils. Amen. Et la sœur a fait sa sœur. Le frère a désiré nous rencontrer. Quand il nous a rencontré une fois, deux fois, il a compris que c'est sa place. Il est resté là juste. Amen. Il va convertir toute sa famille. Amen. Dans la sainte doctrine. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes très contents pour ça. Il a une femme dynamique, elle devait être là. C'est aussi une femme dynamique auprès de Maman Lydie et auprès des autres femmes à Douala. Alléluia. La maman, sa femme s'appelle Myriam. Alléluia. Que Dieu bénisse. Shalom, shalom et soyez en paix. Amen. Amen. Nous allons vous présenter aussi quelques gens qui sont venus de Douala. Je vais vous présenter. Vous savez, derrière un grand bambin là, il y a les racines fortes. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais vous présenter la servante de Dieu, Maman Lydie. Alléluia. On a fait une histoire très longue et très difficile. J'ai commencé à dire à Maman Lydie, on dormait par terre sur le carton. Malgré de une place, une chambre, on ne payait même pas le nuit, moi d'ailleurs, les salaires, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous avons une multitude d'enfants. Alléluia. D'autres sont bien à l'université. Amen. Et auprès de Maman Lydie, il y a une servante de l'Éternel, la servante Suzanne Victoire. Sœur Victoire. Voilà, shalom, shalom. Amen. Mon dernier marché pour le moment. Comme l'église de maman, comme l'église ne veut pas remplir les gens. Alléluia. Je vais afficher pour que quand vous allez dire, les femmes ne soient pas vides. Alléluia. Amen. Je vais arriver au ciel de Dieu, c'est que j'ai gagné ma famille. Amen. Je dis, même pour les gens n'ont pas cru, voilà quand même ma famille que j'ai gagnée. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Nous allons présenter aussi la servante de l'Éternel. Alléluia. Que le Seigneur utilise aussi puissamment. Alléluia. Qui est très utile aussi pour nous en ce temps-ci. Alléluia. La servante Dorcas. Alléluia. C'est la deuxième fille. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La deuxième fille. Vraiment, si tu peux donner à chacun d'entre vous un enfant comme ça, je vous donnerai. Vraiment, c'est une grande bénédiction que Dieu m'a donnée. Amen. Et c'est pas papa, elle va vous mentir, tant que papa, si soit jaloux de comprendre, quand quelqu'un va venir la prendre chez moi. Amen. Amen. Mais c'est la vie, alléluia. Mais celui-là, je ne sais pas si je peux te taire. Et quand je dis que mon fils prend, parce que ça c'est un cadeau. Si tu donnes là, c'est que je t'ai vendu. Prends-moi avec. Alléluia. Voilà, Jésus. Je te bénisse. Voilà comment nous sommes venus. Amen. Nous étions très contents d'être au milieu de nous. Alléluia. Si j'ai un dernier conseil à vous donner, je ne suis pas à Yaoundé. Amen. Et je ne veux pas que les gens de Yaoundé m'appellent. Vous m'appelez, c'est bonjour, pasteur.
notre intimité, notre bonheur pour notre intimité. Amen. Entre nous. Mais ne m'appelez pas pour vous plaindre de vos serviteurs. Ne m'appelez pas pour vous plaindre les uns les autres. Alléluia. Si vous vous plaignez encore les uns les autres, savez-vous même, savez-vous que le Saint-Esprit que Monsieur alors est en vain. Amen. Mais ne vous plaignez pas. Faites-moi confiance. Vous avez entendu le Seigneur aujourd'hui. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit, je suis dans le petit commencement. Amen. L'apôtre Abraham, quand il a commencé, il n'avait pas plus de 20 personnes. Il avait 5 personnes aujourd'hui, c'est. Amen. Vous allez passer, tu n'as pas là de t'asseoir. Donc nous aussi, si nous sommes fidèles, vous avez entendu, non? Si nous sommes fidèles, et les femmes de l'apôtre Abraham aujourd'hui voyagent avec elles, partout, Burkina, même en France. Elles ont commencé comme elles ont commencé. Elles ont été fidèles, elles étaient nombreuses au départ. D'autres qui n'ont pas continué là-bas, elles ont lâché. Mais d'autres ont signé depuis le début de ce jour. Donc il a fait tellement confiance et le Seigneur est fait confiance. Donc vous aussi, soyez fidèles. Amen. Restez auprès de vos serviteurs. Il va arriver, on va faire les missions, le nord, le sud, partout. J'ai vu beaucoup de traduits chez maman l'autre. Amen. On aura besoin de l'art du vinaigre. On croit aussi, maman, tu vas partir avec nous. J'ai vu beaucoup de qualité chez la sœur, j'ai vu beaucoup de qualité là-bas chez la sœur. Donc, on aura besoin de tout le monde pour travailler. La femme aussi a sa place dans la mission. Amen. Donc, que Dieu bénisse. Alléluia. Allons tous ensemble. Nous allons bénir le Seigneur Nous allons bénir le Seigneur et lui commander tout ce qu'on a fait. Alléluia. Et lui donner, et demander qu'il nous donne de garder l'amour. L'église n'est pas divisée. L'église qui a Douala, c'est la même église qui a Yaoundé. On ne veut pas les choses qui étaient de l'autre côté là. Les sœurs de Douala correspondent avec les sœurs de Yaoundé. Donc vous vous appelez les frères de Yaoundé, pourquoi les frères de Douala. Le pasteur Jean peut écouter, il vient ici là un dimanche, il vient s'entretenir avec vous. Un serviteur qui est ici, il vient à Douala, un peu partout. Notre église n'est pas divisée. C'est une seule l'église. Alléluia. Donc comment on a établi les serviteurs ici? Ce n'est pas qu'ils sont établis ici, c'est les serviteurs du Cameroun. Alléluia. À tout moment, on parle d'eux, on envoie n'importe où, ils ne travaillent. Que Dieu soit loué. Amen. Donc prions, disons à Dieu merci pour le fait qu'il nous a rassemblés ici en ce lieu aujourd'hui. Nous prions. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, que mon Dieu, mon roi, Seigneur. Pour le fait que tu nous as rassemblés en ce lieu, Seigneur, que mon Dieu. Nous t'as pris de loin, Seigneur, que mon Dieu. Pour nous amener jusqu'ici, Seigneur, que mon Dieu, mon roi, Seigneur. Et là, pour pas, Seigneur, que mon Dieu, mon roi, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, que mon Dieu, mon roi, Seigneur. Amen, Seigneur, mon Dieu, pour tout ce que tu n'as cessé de faire, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Papa, nous te bénissons pour les serviteurs que tu nous as donnés. Nous te bénissons pour les servantes que tu nous as donnés. Nous te bénissons pour les chiens que tu as donnés, mon Dieu. Nous prions, mon Dieu, mon roi, Seigneur, afin que Père éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, que ce soit fait avec toi, par toi, sur toi, Père Seigneur, mon Dieu. Papa, nous te remercions, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu n'as cessé de faire, Seigneur, mon Dieu. Papa, que le blanc de la gloire qui est venu, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien aimé, le jour où aussi dédicacé l'église de Douala, vous allez tous venir. Amen. 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 Quand on dédicacé l'église de Douala, c'est la ghetto. Vous allez aussi tous venir. Amen. Tu seras là. Amen. Tu seras là. Tout le monde sera là. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Je vais faire cette dernière prière avant que nous prions pour le petit repas que le Seigneur a prévu qu'on puisse manger. Alléluia. Nous levons tous les mains ensemble. Je veux que les mamans dans cette église soient vraiment des véritables mamans. Alléluia. Une maman, c'est celle qui a déjà accouché au moins une fois. Amen. Soyez des véritables mamans, ne soyez pas les hommes. Parce que le problème des problèmes, ce qui détruit l'église, ça commence toujours par les femmes. Apprenez à vous supporter. Vous avez entendu l'enseignement sur le cœur. C'est suffisant pour que vous vivez sans problème. Amen. Que Dieu vous bénisse. Quand les mains sont levées. Père éternel, nous te disons merci. Je te remercie, papa. Oh Père, si c'est sur le mérite, je n'ai aucun mérite. Mais c'est toi qui m'as donné ces frères. Tu les as mis aussi à côté de moi. Et tu m'as aussi mis à côté d'eux. Tu nous as mis ensemble pour que nous puissions travailler pour toi. Tu m'as donné aussi ces sœurs, Seigneur éternel, mon Dieu, pour que nous puissions travailler pour toi. Papa, je prie, afin que tel que tu m'as donné la sagesse et que tu m'en donneras encore, que tu donnes aussi aux serviteurs, que tu les donnes encore davantage. Tu donnes aussi aux servants, tu les donnes aussi davantage. Et que tu donnes à toute l'assemblée, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, Papa Seigneur. Papa, je te prie, je te supplie, afin que Père éternel, comme nous avons enseigné sur le cœur, tu nous as parlé dans le cœur, que nos cœurs changent, que nos cœurs soient dépouillés.
De la même façon que nous voyons sur le déploiement du corps, que nous voyons sur le déploiement du cœur comme ça, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Papa, je te prie, je te supplie, Seigneur, afin que Père éternel, par ta grâce infinie, nous avons fait le culte, Père, depuis le matin. Maintenant, Père, nous voulons nous séparer. Père éternel, nous prions afin que tu sois avec nous. Tu accompagnes chacun de nous vers sa demeure. Et tu permets que, Seigneur éternel, tout ce que nous allons faire soit fait par toi, pour toi et avec toi. Papa, nous te disons grandement merci pour cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, mon Dieu, maintenant que nous allons prendre le repas, nous prions que tu le sanctifies, tu le purifies et que tu bénisses toutes les mains qui ont apprêté. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés, prions la parole à l'ambassade. Amen.